Il a dit bravo. OK. Il y a des instructions, des directives qui ont été données. Le... On l'a-tu sur Scribe, ça, là? Oui, oui. OK, allez-y. Vas-y, Charles. Oui. Be it resolved that Monsieur Julien Lenhardt be hired as Director of Infrastructure and Planning effective September 19, 2017, as per conditions directed in the closed session of September 18, 2017. And be it further resolved that Mr. Dave Darche contract be extended until December 15, 2017. Secondé. Madame Simard, tout le monde en faveur? Merci. Alors, on continue. Des annonces? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des annonces? C'est tout ce que tu avais? L'ordre du jour, oui. On va ajouter qu'on retourne après la plénière. Considérer le chemin Wilson et Pago. Premier item. Après la plénière, vous pouvez les considérer directement? Ah, on peut le faire directement. Bon, on mettra dans l'item, quoi, dans le... Item des membres? Oui, fait l'item 9.6, monsieur le membre. De la plénière, oui. 9.6 de la plénière, qui va être différé. 9.2, idem des membres de conseil. C'est quel là, ton 6.2, ton web là? 9. Moi, je pensais de mettre ça. Ça, c'était 6.2. Pour ton resolution presented by Mayor Desjardins in regards to the connections of Woodlands, c'est ça? Oui. En plénière, je parle de ça? Oui. Ça va dans régulière. Oui, mais si on le m'amène à régulière, il faut le mettre en quelque part. Là. Oui, mais c'est oui. Ça, mais c'est 6.2 que nous autres, on a dans. Si vous voulez prendre le 6.2 du comité plénier, oui. L'apporter à 9.2. 9.3. 2. 9.2. Oui. OK. De la rue Lyon. 9.3 pour affaire pour la rue Pago et la rue Wilson. C'est 11.4 c'est de 9, la rue c'est 9.6. Madame veut l'avoir à 11.4. Non, non. Ben, ça serait dans les rapports. C'est bon. Oui. Okay. Assistez-vous pas, M. Lalonde, s'il vous plaît. Non, non, c'est parce que vous êtes. Moi, je regardais dans la réunion plénière, c'est l'item 9.6. Pas, vous avez nommé un autre item, c'est pour ça que je faisais juste corriger le. C'est beau. Alors, tout le monde en faveur pour le changement de l'adaptation de l'autre jour? Oui. Merci. Il y avait-tu quelqu'un qui avait proposé? Madame Simard. Vous l'avez proposé? Oui. OK. OK. Annonce. Monsieur Lalonde. Oui, monsieur le maire. Lundi prochain, le 25 septembre, ce sera la journée du drapeau franco-ontario, ontarien. Et puis, on va avoir la levée du drapeau qui va avoir lieu au coin de Chamberlain et Léonard. La porte. La porte, merci. Excuse, je sais pas si c'est Léonard. Chamberlain et la porte, oui. Okay. Et puis, plus de 500 jeunes des écoles L'Escale, Sainte-Trinité et Corpo Jeunesse vont être présents en plus de plusieurs autres personnes. Donc, tous ceux qui sont disponibles peuvent assister à 11h30. Le 25. Oui, vous êtes là. Autre annonce? Pas trop long, ça. Alors, on arrive à la période des questions. N'importe qui vient poser une question en avant, si vous l'avez, c'est le temps. Je vous demande de donner votre nom et votre adresse. If you have any questions, now's the time to come. We ask you to give your name and address when you start, and then go for your subject. Allez-y, madame. Mon nom est Joanne Laplante, du 11 rue Maisonneuve à Bourgette. Je suis propriétaire d'un salon de coiffure depuis 1981. Et la raison de ma présence, c'est que soit retiré le coût de la taxe de déchets commerciaux à 571 $, le règlement 217-42. Mon salon de coiffure est situé dans ma résidence, dans un secteur résidentiel. J'ai toujours travaillé seule, j'y paie la taxe commerciale depuis 81. En 2000, c'est l'entrée en vigueur de la licence d'occupation domestique, ou Home Occupancy Business, que j'ai depuis ce temps-là aussi. Quelle surprise de recevoir une taxe de déchets commerciaux. Après plusieurs appels à la municipalité, on m'a proposé d'appeler des commerces comparables.
tous ont une licence d'occupation domestique. Un seul autre commerce de coiffure a eu la charge de déchets commerciaux cette année de 571 $. Car nous avons un code commercial relié à l'espace de notre commerce, dans notre résidence. Je mets un sac blanc de 20 pouces par 22 pouces par deux semaines ou par semaine, que je mets aussi avec mon sac de déchets dans ma poubelle le mercredi matin. Donc, je suis loin des 10 sacs alloués pour mon commerce et les 3 sacs de surplus pour ma résidence, qui fait un total de 13. J'ai fait mes devoirs. J'ai contacté les conseillers, les départements de finances, de l'environnement, les règlements, puis j'ai même parlé à l'urbaniste ainsi qu'à M. Desjardins. J'ai lu tous les documents que vous m'avez fait parvenir. Et à aucun endroit, il est interdit de mettre des déchets commerciaux d'un salon de coiffure avec mes déchets de résidentiel. Je veux apporter qu'en arrière du règlement, il y a encore place à confusion, que vous avez pensé aux gros utilisateurs de déchets et non aux petits commerces comme le mien. En exemple, j'ai un bâtiment médico-professionnel sur la rue Saint-Pierre qui est mon voisin, qui est dans un secteur aussi résidentiel, qui a aussi droit à ses 10 sacs de 26 par 36 pour 5 unités de location. Donc, 571 divisé par les 5 unités, qui donne 114,50 par unité. Moi, une unité à 571 pour un sac blanc de déchets. Mais si on considère que aussi, n'oubliez pas d'ajouter le montant résidentiel que vous payez pour votre maison. Je paye aussi un montant résidentiel à 187,50. Madame, deux factures. Ouais. Une résidentielle et un déchet commercial dans un secteur résidentiel. Je trouve qu'il n'y a pas de logique, mais... Je ne sais pas pourquoi je dois pour un total de 758,50 unité résidentielle avec une unité commerciale à la même adresse est plus dispendieux qu'un équivalent commercial unit à 571. Encore une fois, je vous répète que je mets juste un sac de blanc de déchets dans mon sac de déchets de maison, qui est le sac vert, là, 26 par 36. Ma première conclusion, c'est que je n'ai jamais utilisé vraiment des déchets commerciaux au terme qui est écrit dans le document. Donc, après avoir vérifié auprès de d'autres commerces semblables dans notre municipalité, et je n'ai pas été plus loin que Bourgette, parce que c'est mon environnement. J'aimerais ça qu'on respecte un petit peu les petits commerces comme le mien puis que cette grosse taxe-là soit retirée. L'autre chose que j'ai à regarder, j'apporte à votre attention que le camion de déchets fait qu'un arrêt à ma résidence. Il prend mon chèque de déchets, puis c'est tout. Il ne ramasse pas 3 sacs verts par semaine. Il ne passe pas un service commercial 2 fois par semaine comme qu'il fait pour d'autres commerces dans le secteur. Dans le secteur résidentiel, j'ai l'impression qu'il ne passe pas plus qu'une fois. Il y a le recyclage qu'on fait aussi à l'intervalle aux 2 semaines quand le service est le papier et le plastique. Puis je mets juste un bac incluant ma résidence et mon commerce. Il n'y a pas de surplus de travail de la part de l'employé. Puis je rencontre les normes pour la sorte de déchets permis de type 1 et 2. Une double taxe résidentielle serait peut-être une bonne solution, mais encore pour une unité résidentielle avec un code commercial de 1 unité, la taxe serait plus dispendieuse qu'un bâtiment commercial avec les 5 unités. Tantôt, quand je vous ai dit à 114,50, plus le 187,50, qui me donnerait 302 $
Puis ça serait 3,75 si c'était une double taxe résidentielle, je parle. Comme de raison, on aimerait mieux pas payer partout de déchets commerciaux, surtout dans le secteur résidentiel. Je suis bien prêt à faire un bon compromis pour peut-être avoir une demi-charge ou quelque chose comme dans ce sens-là, mais à condition que tous les commerces avec une licence d'occupation domestique dans la cité de Clarence Rocket payent la charge. Donc, ma dernière question, c'est pourquoi les petits commerces qui possèdent une licence d'occupation domestique dans les secteurs résidentiels devraient payer une charge de déchets commerciale de 571 $ en plus de la taxe résidentielle à 187,50 $. Je crois qu'il y a une différence entre nous, petits utilisateurs de déchets, avec une licence d'occupation domestique et gros utilisateurs de déchets. Pour finir, je crois que c'est beau de vouloir aider, puis uniformiser, puis tout ça, mais à un certain point, les commerces qui sont dans les secteurs résidentiels, on mène aux déchets avec le sac vert, la poubelle, les deux. Il y en a peut-être qui vont à deux poubelles, je ne sais pas, mais moi, je n'ai jamais mis plus qu'un sac vert. Depuis que le recyclage, surtout, c'est un sac vert que je... Suzanne? Donc, c'est ça la question. Premièrement, je vous remercie de venir nous parler aujourd'hui. Je m'excuse, Nathan, on avait discuté à plusieurs reprises. Ce n'était pas une décision facile à essayer de déterminer qui payait quoi. Mais je pense que le problème aussi, c'est que MPAC est la compagnie qui décide qui paye quoi dépendamment du la manière, la sorte de commerce que les gens ont. J'ai aussi quelqu'un qui a il appartient à un camion, un dump truck. Il est seul, c'est son commerce de juste aller faire des charrier de la roche une fois de temps en temps. Lui, il ne fait aucun déchet commercial, puis il est chargé ce montant-là. Mais j'aimerais aussi dire, quand on faisait nos négociations pour savoir combien est-ce qu'on allait payer, je crois que nous, on chargeait 32 $ la tonne, je pense, pour les commerces qui étaient plus gros. Et à Ottawa, c'était 80 quelque chose $. Alors peut-être qu'on devrait repenser à notre affaire, monter un peu plus, on va dire de 32 à 37, qui donnerait assez d'argent pour être capable de descendre les commerces qui sont vraiment pas des... Votre sac, c'est un sac de cheveux là, que vous mettez... Il se fera pas mal au dos. Non, hein, c'est ça. Alors, on comprend que c'est vraiment pas des déchets, mais je comprends complètement, puis je vais essayer de... S'il coupait tes cheveux, il y aurait plus de pesanteur, mais s'il coupe les cheveux à moi puis Jean-Marc, il n'y aurait pas de... Ben écoute, justement, je commence à arriver là aussi, là, ça pousse moins... Monsieur Desnoyer, est-ce qu'on a une solution pour ça? Parce que, après tout... Nos petits commerces, le monde, ils ont de la misère, puis... Présentement, la façon que le bylaw est écrit, c'est un peu la définition qui pose problème, parce que la définition, c'est qu'on se fie à MPAC. Donc, aussitôt qu'MPAC met une valeur commerciale, que ce soit résidentielle ou commerciale, on charge automatiquement le frais commercial. C'est comme ça que le bylaw est écrit. On devrait faire ça avec les licences qu'on donne, parce que si madame elle vient pour un... On sait que c'est un salon de coiffeur, elle ne devrait pas payer 571 $. Surtout étant un commerce à domicile aussi, surtout. Ça ne devrait pas être considéré. Est-ce qu'on peut faire le changement pour elle ou est-ce qu'on peut remettre ça à deux taux de déchets, un pour la résidence, deux taux résidentiels? Donc c'est ça, les taux de déchets ont déjà été facturés pour 2017, donc c'est inclus sur les taux de c'est inclus sur les factures de taxes foncières. Donc si vous voudriez réviser 2017, ça serait toutes les factures de tous les résidents devraient être faites. Par contre, si vous voulez prendre l'approche qu'en 2018, vous voulez modifier le bylaw puis changer la façon que les factures sont faites. Je pense que si on aimerait tout bien, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, arrangez ça cette année, là, comme c'est là, là, parce que... Mais les deux. Regardez 2018 et arrangez cette année. Donc, mais 2017, moi, je parle. Parce que comme c'est là, madame, la facture sont toutes taxes. Oui, les deux. Oui, puis j'ai déjà rencontré M. Desnoyers par rapport à ça.
Donc, je veux juste que vous soyez conscient d'une chose, c'est que lorsqu'on établit le budget de déchets, les revenus sont égaux aux dépenses. Donc, si on décide en 2017 de réduire les revenus pour permettre de baisser les facturations, par exemple, au commerce à domicile, ça veut dire qu'il faut aller chercher d'autres revenus à quelque part pour balancer le budget. Mais M. Zant avait une bonne idée quand elle dit qu'on montait notre taux de pesanteur, le coût de... On ne peut pas le faire passer. Comme que je dis, il va falloir revoir toutes les facturations qui sont sorties, pas juste les home-based business. On va aller au prochain budget, mais on va regarder monter tout. Oui. On est capable de trouver l'argent. Oui. Non. Je peux comprendre la position de madame, là, mais ce qu'il faut comprendre aussi, il faudra faire une étude pour voir combien de secteurs commerciaux nous avons dans les résidences. Il y a beaucoup d'avocats, les bureaux de comptables, des fois, ils ont seulement un petit bureau. Mm-hmm. Donc, si on affecte un, ça va être la même chose pour l'autre. Combien de salons de coiffure qu'on a? Je ne dis pas de ne pas le procéder, mais il faudra faire une étude avant pour voir combien de personnes sont impliquées dans ce domaine-là. Oui, madame. Je vais juste rajouter quelque chose. Comme j'ai dit tantôt, quand j'ai fait ma recherche, j'ai pu trouver que nous sommes deux à Bourgette. On est plus que deux coiffeuses à Bourgette. Nous avons tous la licence d'occupation domestique, mais nous sommes les deux seuls qui avons un code commercial rattaché à notre. Est-ce qu'on peut vérifier pourquoi, M. Denoyer? Pourquoi, ouais. Donc, un autre point que je voulais apporter, c'est que présentement, il n'y a aucun rapprochement. Impact, on n'a pas accès à notre base de données de commerce, de licence de commerce. Donc, dans le fond, s'il y a un petit commerce qui est venu chercher sa licence, c'est pas Impact, s'il n'y a pas de pancarte au chemin, ils ne vont pas mettre une valeur commerciale. C'est comme ça qu'un peu qu'Impact agit. Donc, c'est possible qu'il y ait des petits commerces que présentement, ils ont la licence, mais ils ne payent pas le frais de déchets commerciaux simplement parce qu'ils ne s'affichent pas comme commerce. Puis Impact, ils n'ont aucune possibilité. Peut-être qu'on ne devrait pas se fier à Impact. Alors. C'est une possibilité. Monsieur Delorme. Parce que la problématique qu'on a faite avec les taux de déchets aussi, c'est qu'on y allait avec, comme tu dis Mario, avec la pesanteur. Quand il y a des petits commerces, ou n'importe qui n'a pas de bin, c'est impossible de savoir la pesanteur pour charger un prix adéquat. Je me souviens, quand on avait fait les taux pour cette année, c'était M. Kio dans le temps, qui avait dit, ben pour ceux qui n'ont pas de bin, il faut qu'il y ait un minimum d'une charge de 571, c'est ça? 571? Pour faire certain qu'on arrive, parce que comme tu dis, revenu égal, qu'est-ce que tu es supposé d'avoir. Fait que c'est pour ça que les gens comme Mme Joanne sont tombés un peu dans le crack, parce que là, ils se retrouvent à payer le minimum, qui est 571, malgré qu'ils n'utilisent pas pour 571 piastres de grenage. Oui, M. Bellinguet. Si je comprends bien, madame, votre commerce et votre résidence, c'est la même adresse? Oui, dans mon sous-sol. Mme Normand avait été sur l'Internet, elle a bien vu que c'était une résidence dans un secteur résidentiel. Alors, pourquoi qu'elle a deux factures? Si, si. Parce que, justement, la raison que le bail a été créé, c'est qu'aussitôt qu'il y a une unité résidentielle, on charge le frais résidentiel, et aussitôt qu'il y a une unité commerciale, on charge le commerce. Mais lorsqu'on regarde une facture de taxe foncière avec un commerce à l'intérieur d'une résidence, bien, il se trouve à avoir les deux unités. Est-ce qu'on peut mandater l'administration, monsieur le maire, à nous ramener le règlement au plus vite, puis commencer à peut-être regarder à changer la manière qu'on fait ça, parce que ça n'a pas d'allure. Je pense qu'on a deux cas comme celui-là qui devraient être regardés de ça. Je crois que la taxe à 571, ils n'ont pas été chargés, les autres, donc ils ne peuvent pas venir débattre sur ça. Ils n'ont pas la charge. Moi, je n'ai pas eu la charge. Je veux juste rappeler au conseil que je crois que quand le mandat a été établi, ça ne fait pas très longtemps, là, au début de l'année, le mandat, c'était comme d'équilibrer ça, puis que dans le fond, un peu envie de faire dos sur l'administration, puis que tous les commerces soient chargés le même taux. Je voulais simplement rappeler ça. Oui, mais il y a des différentes sortes de commerces. Est-ce qu'on peut retourner et regarder dans ce cas-là, là, puis comment on peut trouver quelque chose, là, ou s'il faut, on la ramènera. On va l'amener à l'administration, Mme Laplante, puis on vous donne une réponse là-dessus, mais on va regarder après, parce que surtout à Bourgette, on a, dans nos villages, on a trop de petites business qui sont obligés de fermer à cause de ça. Là, fait que, non, ça va prendre une analyse complète de la municipalité, je pense, à cet effet-là, parce que... Mais on va regarder après. On va vous revenir. Merci. Merci. Prochaine personne.
Mon nom, c'est Réginald Drouin. J'habite 128 Topaz à Rockland. Moi, je suis ici votre, pour... Voulez-vous répéter votre nom pour madame? Ici. Ah, oh, Réginald Drouin. Je représente le groupe de tennis et puis je suis ici ce soir parce qu'on a eu vent que peut-être on était en train de passer le pavillon de tennis à une autre organisation et puis on veut s'assurer que le pavillon de tennis demeure pour le tennis ou de partager avec d'autres organisations à but non lucratif mais pas d'une façon continue. Qu'on aurait toujours accès au pavillon. Et puis, de là, surtout que le parc, présentement, ne fournit pas de toilettes. Hein? Il n'y a pas de toilettes au parc. Quand on a besoin de la toilette, il faut aller à l'école. OK. Avez-vous fini votre... Non. OK, je vais y aller après. Maintenant, pour donner des suggestions pour partager, peut-être qu'on pourrait établir, un club, de, pas un club, mais un senior place où que les vieux pourraient se rencontrer. Des fois, je sais qu'ils vont au Jardin de la Rive, mais ça, c'est privé. Et puis peut-être qu'il pourrait aller à tout temps des personnes âgées. Et puis il y a toutes les autres organisations qui auraient des comités ou qui auraient des meetings, ces choses-là, ils pourraient s'en servir. De là, on pourrait, si on ne s'en sert pas autant, ça s'en vient le tennis. Il a fait un rebondissement. Souvent, nos quatre courts sont pris. Le soir, ça joue aussi. Il y a du pickleball qui joue ça, maintenant. C'est pas mal plus actif que c'était déjà. Malgré que déjà, on a déjà eu des... Il y a déjà eu des participations d'été, là, des choses d'été, des camps d'été, où que le monde même là, qui paye pour jouer. Tant qu'au payage, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais malgré qu'il y en a... C'est vous qui avez l'idée, par exemple. Mais dans le groupe, il y en a qui sont prêts à payer. Et puis, j'imagine qu'on peut venir à une entente d'une certaine manière pour certaines choses. J'avais une autre suggestion. Je ne sais pas si l'aréna Jean-Marc Lalonde est utilisée. Il y a une étude qui est en train de se faire dessus, les résultats s'en viennent. Parce que j'aimerais ça que l'hiver, peut-être qu'on pourrait établir un terrain de tennis sur le fond de glace qu'il y avait là et puis que le monde paierait pour aller jouer. Parce que là, il faut aller à Ottawa hein, l'hiver pour jouer au tennis. Il n'y a rien ici à voir. Là. Vous écoutez ça? Vous entendez ça, M. Boucher? Là? Vous construire un dôme. Un dôme par-dessus. J'ai pas de problème avec ça, monsieur. Allez me chercher une coupe de millions, on va bâtir le dôme comme vous voulez. En tout cas, c'est principalement ça que je voulais. Enfin, je voulais juste m'assurer que le pavillon ne soit pas donné à une organisation pour des nombres d'années quand que le tennis est en plein rebondissement et puis qu'on pourrait... Puis ça a été bâti pour le tennis. Et puis même, je pense que les membres du tennis, dans le temps, ont payé pour aussi. Ça fait que de là, c'est de... C'est d'y penser sérieusement avant de donner à d'autres quand que plusieurs organisations pourront s'en servir. Madame Simon. Si je ne me trompe pas, on avait repurposé ce building-là parce que le monde pour jouer au tennis ne l'utilisait pas. Donc, c'est devenu une salle de horticulture. Deuxièmement, si on parle à l'autre organisme qui veut rentrer là-dedans, je suis sûre qu'il serait Manbo, qui partagerait la salle. Je pense que c'est devenir une entente. Là. Je pense pas qu'ils veulent garder ça et que personne d'autre pourrait rentrer. En tout cas, je pense qu'elle est pas mal ouverte. Là-dessus, je vais laisser M. Boucher me définir. M. Boucher, oui. Puis M. Boucher, on l'a demandé aussi d'aller parler avec TVC22 pour... Parce que je voudrais pas qu'on rentre dans un arrangement avec une autre organisation qui nous déroberait de notre pavillon. Qui était là pour le tennis, principalement déjà. Oui, c'est ça. 30 ans de ça. Une des raisons, par exemple, qu'on s'en va sur l'autre côté, c'est parce qu'il y avait des frais qu'on pourrait éliminer pour nous autres, parce que ceux qui voulaient rentrer étaient prêts à payer le chauffage, l'électricité et tout. M. Boucher m'a laissé aller en détail là-dessus. C'est vous qui êtes. À la dernière réunion du conseil, le conseil m'a mandaté de mettre
me réasseoir avec TVC 22 pour garder une option avec Réduit. Qu'est-ce qu'eux auraient leur besoin et revenir au conseil à ce moment-là? La rencontre avec la représentante des TVC 22 est située pour mercredi. Donc à la prochaine réunion du conseil, je vais amener un rapport avec vous avec des recommandations. Comme ça, c'est TVC 22 qui ont demandé d'avoir l'édifice. Présentement, TVC 22, c'est bien beau, là, ils nous donnent un service communautaire, mais ils ne donnent pas à tout le monde. Hein. Tout le monde qui n'a pas le câble, ils n'ont pas le service. Ils travaillent là-dessus. Pardon? Ils travaillent là-dessus. Oui, mais on ne l'a pas. Quand c'est un service quand même, monsieur. C'est un service quand même qu'ils ont à faire. Et puis avec l'Internet, c'est censé être là, mais j'ai essayé d'aller là-dessus, puis là, je vois juste des affaires en anglais. J'ai rien vu en français. Non, les deux sont là. Ouais, ouais. J'ai pas pu trouver, puis ça va avec YouTube aussi. Oui, YouTube, toutes nos réunions. La programmation pourrait être mise aussi sous vision, hein, pour que le monde le sache. Oui. Parce qu'on ne sait pas quand les choses se passent. J'ai vu une chose de programmation, mais j'ai jamais pu la comprendre sur l'Internet. Et puis l'Internet n'est pas rapide. Ça fait que on peut, le soir, tu essaies d'avoir l'Internet DSL, essaye pas. Comme M. Boucher a dit, il s'en vient avec un rapport dans deux semaines. Il va, je suis certain, oui, M. Boucher. En tout cas, c'est juste pour. J'aimerais juste ajouter, avant que je m'assoie avec TVC 22, là, comme c'est là, on a une objection que, à la vocation qu'on proposait. Est-ce que vous voulez que je vous amène les deux scénarios puis que vous preniez une décision? Sur les deux scénarios vont être proposés. Parce que moi, je vais revenir seulement qu'avec l'option TVC 22, parce que c'est la seule option que j'avais présentée au conseil. Tu vas rencontrer le comité de tennis, voir qu'est-ce qu'ils sont leurs demandes ou qu'est-ce qu'on peut, comment qu'on peut contenter tout le monde. Parce que comme c'est là, TVC 22 vont nous payer. Ça va rentrer des. Ils vont payer plusieurs frais. C'est ça. Ils sont là comme c'est là que personne paye parce que. Pour changer le système de chauffage, c'est un système électrique qui coûte une fortune. La fournaise, il faut qu'elle soit posée en bas au gaz naturel. Il faut qu'il y ait des dépenses à être mises. Puis après ça, c'est TVC 22 qui va payer la facture. Mm-hmm. Entre-temps, on ne peut pas ouvrir les chambres de bain au parc. Je suis sûr que. Il y a des chambres de bain, là, et puis c'est tout embarré. C'est juste ça. C'est parce que je pense que c'est les 22 qui sont là, présentement, je pense. C'est peut-être qu'ils barrent les portes parce qu'ils s'en servent à parenthèse. Il y a une toilette au splash pad qui est à 5 pas de là. Splash pad, il y a une? Ben oui, monsieur, il y a une toilette là. Parce qu'on va pas jouer là, nous. Madame, venez après, vous donnez votre nom. On va venir avec monsieur avant. OK. Par contre, il y a plusieurs parcs qui aimeraient avoir des toilettes, puis ils n'en ont pas. Ça fait qu'on a 22 ou 24 parcs. Puis la majorité, ils n'ont pas de toilettes. Ça fait qu'il y a plusieurs parcs qui ont les mêmes défis. Ah, Et le parc Simon, c'est un gros parc, ça. Oui, mais l'importance d'un parc communautaire dans une petite communauté est aussi importante pour la communauté qu'un gros parc à Rockland. Mais on avait des toilettes, pourquoi qu'on les a plus? Pardon? On avait des toilettes avant, pourquoi qu'on les a plus? Mais il y en a encore. Ils sont là, mais les portes sont barrées tout le temps. Non, je viens de vous dire qu'il y en a au splash park. Non, mais je parlais des deux autres, qu'il y en avait une pour les madames et une pour les hommes. Monsieur, comme vous savez, si ces portes-là demeurent ouvertes et qu'il n'y a pas personne sur place en tout temps, il va y avoir du vandalisme à l'intérieur. C'est vrai. C'est vrai. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est arrivé avec l'accès aux toilettes publiques sur une base régulière. C'était dû au vandalisme, etc. dans le temps. OK, moi, j'ai fini. Merci. Si vous avez une façon de prendre ça en considération. Merci. Okay, merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Anybody else? Hi, Margot from 1223 Campo Crescent. I'm not sure if we should defer our questions. Margot Leonard, 1223 Campo Crescent. And I'm really not sure on the timing of the agenda. We may choose to defer our questions until 6.1 is presented. Is that going to take place? Have we already been there? No. Okay. Committee of the whole. Is there? So it will be after this first meeting. First half of the meeting? Yeah. Oh, okay. And is that a motion to pass
repairs to the street, or is that some? We're going to be asking, there's some money that's been left over, but we're going to be asking Mr. Dave Darts here. Mm-hmm. We're going to be asking what to go get it checked out by contractors to see what the exact cost would be to fix that road. Okay. So that we know exactly where we're going with this. Okay. And the 10-year plan is still being considered? It's been approved. Oh, it has? No, we still have another couple of weeks. It's been presented. Right. Yeah. Our last meeting, okay. Council has been given about a month to review the projects on that list, and if there's some adjustments that Council wants to make, we need to bring them back to Mr. Darch. What will happen after that, the capital projects that are in the 2018 column will form the 2018 capital budget. So it won't receive final approval until budget does in mid-November. Okay. Okay? And is that public? Is that yes. Something that can be? Yes. You can even come to public, the budget, when we do the meetings for budget, you can attend. The 10-year plan, can we access that? Yeah. Yeah? So how do we request that? Just to have a look at it, because I haven't seen it. Is that once it's approved? Well, it was a part of a public report, right? So it's available. If you're only focused on that, we can tell you. Well, I'm just curious where. Yeah. Where we can maybe respond to you tomorrow where it fits in the plan. Yeah. How about that? Because it's a huge document. Yeah. Oh, no doubt. I'm just curious as to the needs and the requirements. So we'll do that. We'll send. Okay. Yep. Just give me a call. I'll give you my number. Oh, sure. Call me tomorrow. Okay. All right, well, we'll see how long I left with the kids, and then we might stick around for more questions. Thank you. We've got a room in the back to lock kids up. Yeah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si quelqu'un d'autre qui a des questions, avez-vous des questions, madame? Mais moi, faites juste donner votre nom, votre adresse. Mon nom, René Lantier. Puis je suis avec le groupe de tennis. Oui. Puis nous autres. Rockland, salut Sylvain. OK. C'est pour madame. OK. C'est bon. Puis moi, vraiment, c'est l'utilisation de le beau petit pavillon qu'il y a là. Puis, c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce que j'ai vu dans les derniers 3 ans. Les petits choux, là, tu sais, là, qui viennent jouer au tennis. Puis les attendre rire. Puis il y a tout un. C'est nouveau, là. Ça commence le tennis. Puis on veut avoir ça dans. Quand tu vois des petits gars et des petites filles aller jouer au tennis, là, puis tu dis, c'est merde alors quand les parents disent que les enfants, ils restent avec leur petit iPad. Non. Puis on a passé des journées où on était une quinzaine sur le terrain de tennis. Quand j'ai premièrement déménagé à Rockland, les terrains étaient là, il n'y avait personne. Là, le pickleball, puis le tennis, on commence à s'aimer, là. On commence à s'aimer parce qu'on va faire des choses ensemble. Ça fait que c'est pas qu'on veut avoir la bâtisse, on veut avoir la bâtisse que là, on ne veut pas la perdre. Puis on aimerait ça être capable d'utiliser, supposons qu'on arriverait avec une petite carte, on a payé 10$ pour je ne sais pas quoi, là. Puis on met ça dans la porte, puis on peut aller faire un petit pipi, là, si on veut. Ou, si on a un petit peu d'administration à faire, avoir peut-être une filière qu'on peut garder un dossier, là. Parce que le tennis, il va prendre force. Puis ça va être le fun, parce que regardez, là, tous les projets qui sont après développés ici à Rockland. Moi, je voulais déménager à Ottawa, là, mais je déménage pas parce que je m'amuse à cause du tennis, puis il y a bien des jeunes, puis ça va attirer des gens. L'utilisation sans nécessairement avoir toute la bâtisse pour nous autres. Madame, elle a raison, j'avais vu d'autres. Mais mon petit, il a commencé à jouer au tennis il y a 10 ans. Je dis qu'il joue au tennis, lui, il frappe la balle, moi je cours après, là. C'est pas vraiment joué, là, mais j'espère qu'il va s'aligner un peu plus, mais madame a la raison, parce que souvent, j'étais là une fois, mais on est arrivé, c'était la première fois, les cours étaient pleins. Alors, Monsieur Boucher est en charge de ça, vous a entendu ce soir. Tu sais qu'il y a le fun là-dedans aussi, c'est que nous autres, les personnes un petit peu plus âgées, ou pas mal, quand on les voit, là, on vient
on est content de les voir là, tu sais, puis on leur donne un coup de pouce, puis on leur donne un petit peu c'est quoi le protocole, l'étiquette, viens pas sur ce terrain-là quand ta balle est là, fait juste dire bon, tu sais, comme on les aide, puis nous autres, c'est bon pour nous autres, puis c'est bon pour eux autres. Fait que c'est ça. Merci. Merci, madame. Tu comprends, Mario? Oui, le point que je voulais soulever, c'est que définitivement, depuis que les gens l'ont vu sur l'écran de la télévision, le débat de la dernière réunion, c'est que de plus en plus des gens de Rutland sont inquiets dans le moment. Comme j'ai mentionné à la dernière réunion, une dame de Tennis Canada qui était venue me voir, puis j'ai envoyé M. Boucher l'an passé. Puis là, aujourd'hui, avec le progrès qui se fait avec notre Denis Chapovalov, là, encore hier, je peux vous dire que, comme ils ont dit à RDS, en fait, ça mène qu'on est passé l'autre, et puis à Radio-Canada, le tennis va dépasser le hockey amateur. Et puis, actuellement, c'est vrai parce que ça coûte trop cher au hockey, puis les parents veulent impliquer leurs jeunes. Puis je peux dire que depuis, on a déjà eu des champions ici à Rutland, Michel Delpé-Charron, que je me rappelle, il était champion canadien, et puis... avec une population de 4000 que nous avions dans ce temps-là, les courts de tennis avaient de la misère, de la difficulté à les avoir. Aujourd'hui, on est rendu une population de Rutland seulement de 15 000, 25 000 Clarence Rutland. Donc, fermer une facilité qui va tellement bien comme c'est là, mondiale, je crois que ce sera une méchante décision. Monsieur Lalonde, je n'ai jamais recommandé de fermer une facilité. J'ai recommandé de changer l'utilisation de la facilité qui ne sert plus comme vocation première. Fait que si le but du conseil est de retourner au tennis, parfait, on va faire ce que le conseil va nous diriger vers. Ce que j'ai recommandé, c'est seulement que j'avais une demande et j'ai recommandé, parce qu'il n'y avait pas de vie à ce moment-là, qu'on devrait peut-être considérer ça. Juste pour ça, dans mon prochain rapport, je vais énumérer les deux et vous prenez la décision. J'aime le fait qu'il y a un rapport, mais la raison pourquoi il faut l'utiliser, c'est parce qu'il y a toujours barré. C'est la raison pourquoi il faut l'utiliser. Mais je comprends votre point, j'ai hâte de voir votre rapport dans la prochaine réunion. Monsieur Levert. Je pense aussi que probablement que les deux groupes pourraient probablement coopérer ensemble, travailler ensemble, de ce que M. Boucher a dit. De ce que Madame vient de mentionner, qu'elle a besoin juste un petit coin d'administration, une filière, etc. Je pense que oui, les deux groupes pourraient cohabiter ensemble facilement. Il s'agit d'arriver à une entente et mettre tout le ça ensemble. Si on donne une chance à madame, on va devoir répondre bien à des questions. Approchez-vous. Bonjour. Alors, vous savez qui je suis? Mon nom, votre adresse, s'il vous plaît. Mon nom est Stéphanie Simard. Je représente TVC 22, 1517 rue Laurier-Rockland. Donc, ce que M. Drouin, si je ne me trompe pas, et Mme Lantier ont mentionné, ce sont des points valides. Puis, c'est en fait, c'est quelque chose que j'aurais aimé discuter avec eux parce que c'était un besoin que j'avais vu d'une certaine façon. Donc, TVC 22, vous savez, c'est quand même une télévision communautaire, mais c'est une télévision communautaire qui n'est pas tout le temps utilisée. T'sais, l'endroit où on est, on va avoir des bureaux administratifs, puis on va avoir un endroit tournage, puis on va l'ajuster de sorte que, tant et son temps qu'on a quelqu'un qui est sur les lieux, on va pouvoir laisser l'opportunité aux gens de rentrer s'ils veulent pour aller faire pipi, parce que c'est quand même important. Mais aussi, j'ai déjà discuté avec plusieurs organismes et je suis prête à offrir nos bureaux si jamais ils veulent faire des réunions, si jamais ils ont besoin d'une salle pour se réunir ou si besoin, peu importe le besoin. En fait, ce que je dis, c'est que je suis une télévision communautaire, je suis un service que j'offre à la population puis je veux garder mes portes ouvertes. Je suis consciente que le tennis grandit, mais s'ils ont besoin de se réunir, je ne sais pas, quatre fois dans la semaine, de telle heure à telle heure, pour créer un groupe, et etc., moi, ça serait fantastique de m'asseoir avec eux puis de discuter. Mon but, c'est de travailler ensemble. Donc, je tiens à vous rassurer, si vous voulez vous asseoir avec moi, puis si vous avez des idées, si tout dépendant du besoin que vous voulez faire, on peut même s'organiser pour, je ne sais pas, faire une demande de subvention quelconque pour faire une belle terrasse. Moi, je voyais une belle terrasse parce que vous pourriez vous asseoir. Mais je fais juste dire qu'il y a plein de possibilités qu'on peut avoir ensemble.
tout ce que je demande, c'est que vous asseyez avec moi. Ça va me faire plaisir. Mon but, c'est pas de faire de la controverse. Puis, vous savez, TVC22 grandit de plus en plus. On a obtenu des partenariats, puis il y a des choses qui s'en viennent dont je ne peux vous parler mais présentement, mais que vous allez sûrement aimer dans les prochains mois. Donc, c'est ça. Mais si vous avez d'autres questions, si vous avez des commentaires ou des craintes, moi, je vous invite à m'appeler. Je pense que vous travaillez avec M. Boucher, Mme, M. Drouin et tout, là, vous pouvez venir à un arrangement facilement. C'est à se parler qu'on se comprend. Mais moi, je pense que ça pourrait fonctionner. Je crois qu'on est du bon monde, donc on peut s'arranger ensemble. Bon, ben, bon, vous laissez continuer votre conversation, puis on va essayer de continuer notre réunion de conseil. Super, mais vous n'avez pas d'autres questions? D'autres questions? J'aimerais attendre le rapport de M. Boucher. Ouais. OK. Alors, bon. Merci beaucoup. Merci. Merci. Item demande de conseil. 9.1, résolution de membres présenté par moi-même, au sujet de l'engagement du Conseil à fournir un terrain pour faciliter la construction d'un nouveau détachement de la PPO à Rockland. Il faut passer une résolution pour être capable d'envoyer ça à l'OPP, comme on dirait. Là. Parce que si eux autres, ça doit prendre une résolution du Conseil pour dire oui, on est d'accord de laisser un terrain pour qu'ils se bâtissent eux autres-mêmes. J'ai une question. Quand on les a approchés pour se bâtir avec le et tout ça, qu'ils voulaient pas? L'affaire, c'est qu'ils voulaient qu'on paye 80% de la facture, puis eux autres payaient 20%. Fait que là, ils sont d'accord à prendre. Bien, l'affaire, c'est quelque chose qu'ils ont fait à Hawkesbury. Hawkesbury a dit, on fournit un terrain. Puis c'est pour ça qu'on a retourné les voir, puis dire, là, on a rencontré le même monde qu'on avait dit, bien, gardez votre station, là. On a dit, bien, tout de même, vous ramenez votre station, puis la bâtir sur un terrain qu'on va vous donner comme vous avez fait à Hawkesbury. Puis ils ne veulent pas avoir une station IMS. IMS, ils viennent avec nous autres sur Landry. Oui. Mais ça, c'est déjà bâti. Oui, mais on a du terrain en arrière. Fait qu'ils ne viendraient pas là. Non, parce qu'il n'y aurait plus de place. J'ai une autre question, monsieur. Oui. Pourquoi qu'on a dit non à 20% avec le coût que ça va nous coûter à bâtir une caserne? 20% c'est mieux que ça. 20% c'est pour leur bâtisse de 12 000 pieds carrés. Donc. Mais s'ils bâtissent dans le même bâtisse que nous autres, ça coupe les dépenses. Oui, mais on avait figuré des chiffres, ça, c'était pas bon pour nous autres du tout. Parce que c'est pas les deals qu'on avait des années passées. Non, mais ils vont payer un loyer, pareil comme IMS. Non, ils payaient 20% de ce qui figurait qui était notre facture, là, de loyer et tout. Fait que nous autres, on aurait payé l'autre 80%. Eux autres, ils préfèrent appartenir à leurs propres affaires. Ils ont changé leur tactique de faire les choses. OK. Avec eux autres bâtissent. Je comprends. Est-ce que je peux vous juste... je m'excuse, M. Lalonde. Okay. Est-ce que je peux vous demander que si ceci ne fonctionne pas, parce qu'il y a d'autres personnes qui seraient... On les connaît. Ils attendent juste que de mais dire nous oui autres, ou non. On fournit le terrain. De cette manière-là, ça donne une option. Parce que vraiment, avoir une station de police, ça ne donnera pas de taxes, ça ne donnera pas d'argent. Non, je comprends. Mais j'aimerais juste donner l'option à d'autres... L'option personne. Pour les autres, c'est là. Nous autres, on ne fait rien que dire qu'on offre un terrain. Oui, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit de négocier avec la PPO jusqu'à temps que nous, on dit oui ou non. C'est ça le problème. Alors, je vous demande la permission de dire que si... On est en contact avec Mme Marie-France Lalonde, qui est son département. Mais je vous demande que si ceci tombe à l'eau, est-ce qu'on pourrait avoir une lettre officielle disant que nous sommes plus... que la cité... exige plus avoir... Comme c'est là, on n'est pas intéressé à bâtir nous autres mêmes, on fait juste offrir un terrain. Je comprends, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le droit de négocier le temps qu'on éteint. C'est pour ça. Merci. Oui, M. Lalonde. Tout d'abord, une station de pompiers, pas de pompiers, mais de police. On vient d'en donner un contrat à Pembroke pour une semblable qu'on veut ici. Il est 6,8 millions. C'est ça qui est le prix. Ça, c'est, j'ai eu le prix la semaine dernière. Et puis, l'autre chose, c'est qu'à Hawkesbury, c'est vrai, la ville a donné le terrain. Ils n'ont pas construit encore. Ils parlent de construire l'an prochain. Et puis, la ville n'a rien à faire avec une démenture, quoi que ce soit. Mais je me demande, le terrain qu'on parle en arrière de la caserne. Aujourd'hui, j'ai été faire le tour plus qu'une fois. Je me demande où est-ce qu'on va la rentrer là pour... Actuellement, dans les deux premières rangées là, qu'on garde pour l'entrée de nos camions d'incendie, il y a 18 autos qui étaient stationnés là aujourd'hui. Recule en arrière, il reste trois lignes. Et puis, l'édifice, c'est à peu près la largeur des trois lignes. Où est-ce que nos employés vont stationner? On va trouver d'autres terrains, M. Lalonde. Je ne sais pas où. Mais qu'on arrive à ce problème-là, on va le régler. On va trouver une solution. Bien, comme...
conseiller Zan vient de mentionner, il y a deux autres entreprises qui sont prêtes à les à s'en occuper des construire. Oui. Mais l'idéal, actuellement, c'est pas Marie-France Lalonde. La tenir au courant, c'est plutôt le... Écoutez, madame, je vais voir madame Marie-France Lalonde demain. Oui. Oui, je la vois. Je vais en parler, moi aussi. Parce que comme c'est là, on a parlé à elle, je ne suis pas pour sauter par-dessus elle et aller à un autre. Non, non. Je suis d'accord avec vous. Pour passer par elle. Oui. Mais c'est Aurélia qui va décider. Peut-être, mais l'affaire, c'est qu'on a rencontré à peu près tout le monde qui est dans l'OPP, comme c'est là. On a rencontré le monde à Windsor, et puis on leur a même dit que c'était une cabane qu'il y avait pour leurs policiers. C'est vrai. Puis ils m'ont dit, oui, on est d'accord, c'est une cabane. Alors. Ce qui m'inquiète beaucoup, là, c'est qu'ils commencent à parler de construire le long de la 417 oui, à Limoges. Oui, mais il y a une raison particulière pourquoi ils veulent bâtir à Limoges. Puis ça, ils me l'ont dit, et puis ça ne changera pas ça. C'est à cause de la 417. Il y a du crime de quelque sorte. Il gardera ici un... comme détachement. Une succursale. Oui. Mais ça serait mieux que ce qu'on a là. Ah, pas dur à avoir mieux. Non. Même les policiers sont bien d'accord. Je suis complètement d'accord. Fait qu'on pousse, ça fait quoi, 2 ans et demi, 3 ans, on pousse là-dessus, puis... Avant de la parler, M. le maire, comme le conseiller Jean l'a dit, là, c'est d'avoir une décision tout de suite du ministère. Moi, s'ils veulent accepter qu'on lui passe le terrain pour la construction. Marie-France si Lalonde travaille là-dessus. Voilà, j'ai déjà parlé. Elle m'a dit d'être patient. Et puis, je peux bien pousser Marie-France Lalonde un certain montant. Puis je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. La seule affaire, c'est que s'ils disent non, on n'est pas intéressé. J'aimerais juste que la ville s'en lave les mains. Puis qu'on non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai rencontré d'autres gens qui sont intéressés. Oui, je leur ai dit, nous autres, on a le terrain. Vous autres continuez à pousser, d'offrir, de bâtir la bâtisse. Okay. Ils ont les deux options. Ils ne peuvent pas dire, ben non, on a offert le terrain, on ne veut pas bâtir, on veut avoir le temps. On a les deux options en avant d'eux autres. Okay. Donc, c'est pour ça. J'ai pas de problème, s'ils veulent bâtir, de les pousser. C'est d'abord qu'on a la bâtisse, parce qu'après tout, ça ne nous donne rien monétairement, financièrement. Non. Ça ne nous donne absolument rien. Je suis complètement d'accord, mais est-ce que les commerces privés comme ceux-là, est-ce qu'ils ont le droit de négocier avec la PPO le temps que... Je vois pas pourquoi pas, parce que nous autres, on n'offre pas la même chose. Déjà, on disait qu'on était pour la bâtir, okay. Mais là, on dit qu'on fournirait un terrain seulement. Okay. Eux autres offrent de bâtir la bâtisse. Okay. Donc, c'est pas le même service qu'on offre. J'ai une belle idée de ma conseillère Simon. S'ils veulent pas là, parce que rappelez-vous que c'est un coin en arrière, parce qu'en bas, ils regrettent peut-être d'avoir été là. J'ai pas le droit de dire qu'ils regrettent, là. C'est caché en arrière. Ils ne veulent pas être en arrière. Et puis, le coin d'ancienne, si jamais on construit... ça serait une bonne place à la montre. Le paramédic, là, j'avais jamais pensé à cette place-là. C'est une très belle place. Paramédic là-bas, là? Landry. Ouais, chez Landry. En tout cas. C'est un building qui va être vide. Mais ça, on en parlera plus tard. C'est pas la discussion ce soir. Ce soir, c'est pour approuver ce terrain. C'est juste pour avoir une résolution pour dire qu'on serait prêt. La PPO veut avoir une résolution du conseil disant comme quoi, oui, le terrain est là si on a besoin. Mais spécifiquement le terrain en arrière de la caserne. Bien là, on peut. C'est là qu'on arrête la place pour les mettre tout le monde ensemble parce qu'on a accès à la 17, on a accès à la Landry. En les mettant ici. Non, mais je suis d'accord avec M. Lalonde. Si on veut. S'il faut enlever ce stationnement, ça va nous coûter de reconstruire un stationnement. Mmh. La résolution sera bonne, par exemple, parce qu'elle dit qu'on est prêt à un terrain. Un terrain. OK. Fait que c'est pas spécifique. Non. OK. Okay. La description du terrain là. Oui. Quand vous parlez, vous avez la discussion, là, peut-être amener la proposition de la soir aussi de refaire l'autre aussi. Mais l'autre, on peut. Si les sociétés qui veulent le faire, ils n'ont rien qu'à nous envoyer une lettre disant comme de nous demander. Oui. On soit d'accord à eux autres d'aller de l'avant. Mais dans l'ordre du vélo. Oui, c'est décrit. Je parle à M. Chambon. Merci. OK. Alors, tout le monde en faveur? Merci. C'est qui avait appelé M. Simard? Madame Simard. Items par consentement. Est-ce qu'il y a des items que vous voulez sortir? Je ne vais pas faire 9.2. Pardon? 9.2. Protection des voisins. Ah, excusez, oui. Non, je n'ai pas fait un refresh. 9.2, ce qui arrive, c'est que le comté, les lois de coupe à blanc des forêts, c'est en dessous du comté. Puis là, le comté nous a offert, parce qu'il y a plusieurs maires d'autres municipalités qui ne veulent rien savoir de passer des lois contre les coupes à blanc.
ou même n'importe quel contrôle de forêt. La forêt, c'est qu'on est offert, si on va avoir le contrôle, le comté va nous donner le pouvoir de réglementer les coupes à blanc ou les coupes pour les forêts d'importance. Comme c'est là, il n'y a absolument rien. Alors, c'est pour ça, on n'est pas obligé, hein, j'ai rien en vue pour ça, mais si on en a besoin, on est tous bien d'appliquer pour tout de suite puis de l'avoir à notre disposition si on en a besoin. Oui, d'accord. C'est d'accord, merci, M. le maire. Merci. Tu veux que tu lèves la résolution? Oui. Okay. Be it resolved, whereas section 135.8 of the Ontario Municipal Act states that an upper tier municipality may delegate all or part of its power to pass a bylaw respecting the destruction of injuring of trees and woodlands to one or more of its lower tier municipalities with the agreement to the lower municipality or municipalities, as the case may be. Be resolved that the Council of Corporation of the City of Rockland hereby requests that the United Counties of Prescott-Russell delegates its power to pass a bylaw respecting the destruction or injuring of trees and woodlands in the City of Clarence Rockland. I'll second it. Seconded, M. Zan. Non, c'est bon. Merci. Okay. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Alors, item par consentement. Quel item vous voulez sortir? 10.1b, M. le maire, et 10.3f. Parfait. B et 10 quoi? 3F. Qu'il soit résolu que les items suivants soient identifiés sous la rubrique items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 18 septembre 2017 soit adopté. 10.1, procès-verbaux de réunion suivant. A, réunion spéciale du comité plénier du 16 août 2017. C, réunion du comité plénier du 6 septembre 2017. 10.2, réception des procès-verbaux des réunions suivantes. A, réunion du comité d'aménagement du 7 juin 2017. B, réunion du comité d'aménagement du 2 août 2017. 10.3, recommandation de la réunion de comité plénier du 6 septembre 2017. A, résolution pour déclarer le 3575 chemin Drouin surplus aux besoins de la cité chemin Drouin. B, résolution pour approuver les modifications proposées à la politique des comptes clients pour les services de garde. C, résolution pour adopter les réductions de taxes suite aux articles 357 et 358 de la Loi sur les municipalités de l'Ontario. D, résolution pour approuver l'annulation des comptes recevables. E, résolution pour entreprendre des travaux correctifs et de retarder les travaux de pavage sur le chemin Bouvier. C'est tout. Tout le monde en faveur? Merci. Je vais 10.4, ça va pas là-dedans? Salaire payé? Oui, excusez. 10.4, salaire payé. On a pas vu. Beau catch, Mme Simon. Beau catch. M. Lalonde, allez-y avec 10.1b. 10.1, M. le maire, c'est le procès verbal de la réunion du 6 septembre régulière. Oui. C'est qu'à la page 13, l'item 12-10, c'est pas la décision qui a été prise. J'en ai parlé à M. Boucher tout à l'heure, c'est bien ça tel que je mentionne. C'est marqué la page 13 du procès-verbal. Non, c'est page 7. Oui. C'est que j'ai marqué « Be it resolved by law ». 217-114 to authorize the signature of an agreement with TVC 22 be adopted. C'est pas ça qu'on a pris, la décision. Ça a été deferred, ça devrait dire deferred. Deferred. Okay. Fait que c'est différé. Il est écrit dans le coin. Oui. Excuse-moi, merci. Pierre, tu l'as pas vu tout à l'heure? As-tu vu qu'il était silencieux? Je me suis dit. Pourtant, il est écrit en gros. Quelques secondes d'adoption.
Secondé, monsieur Lalonde? Oui. Alors, on va à 10. Avez-vous voté pour l'adoption, monsieur Lalonde? Est-ce que vous voulez la faveur? Merci. 10.3F. Monsieur Lalonde, allez-y encore. Là, je regardais, il y avait bien des questions encore sur ça, parce que la dernière réunion, c'est les prix. Et puis, ça dit bien, « Be it finally resolved that Council delegates to the Chief Admin Officer the authority to negotiate with the United Counties of Prescott and Russell the potential sale of the AMS facility on Landry Road. » On n'a pas de décision finale des prix encore. Là. Non. Mais je regarde les coûts. On est encore en négociation. Oui, mais est-ce qu'on va approuver qu'on aille devant avec la tout? Non, on s'en va en négociation pour, avec les ambulances avant d'aller de l'avant avec n'importe quoi. On ne va pas devant avec la construction tout de suite. Non. Bon, mais tu vérifies d'abord. OK. Oui. Ouais, ben, c'est ça. Moi, quand je lis ça, ça a l'air comme si on va d'avant. C'est écrit « Be resolved that Council approves option A with a revised budget amount of $6.4 million with the construction of in Rockland, which includes 10% contingency. » And it says « Be further resolved that Council approves a revised budget amount of $3.8 million for the construction of joint fire EMS facility in Bourget. » So it's being approved. This is the regular meeting. And then at the end, we say « Be resolved that we delegate the chief officer to the authority to negotiate with the United Council of Prescott. So I don't agree with this. We are not approving all of this. As I believe we should only be approving what was originally earmarked in the budget for this year was the construction of a new station. We're approving as long as after negotiations with the but this emergency is the final, service. Look, this is the go-ahead. This is the go-ahead to go to bids, to go to design and bid. That's the way I understood it as well. Yeah, that's how I read this. This is the go-ahead. It says for the construction of a joint fire EMS facility in Bourget and the same in Rockland. So it speaks to a joint facility for both. We're approving for over $10 million here for the budget. For both. So if both don't go, it means the whole project comes back to us. We have to approve. Right now it's being for approval of both together. If negotiations don't go ahead and they drop and we don't have EMS, we come back here to approve the other, whatever part we want. So if the negotiations are settled with UCPR tomorrow, then the city's going... No, we have to come back to the council. Correct me if I'm wrong. We have to come back to council to approve what negotiations we've gone through. It does just go ahead. If I'm understanding correctly, the resolution clearly states that we already have approved it. Mm-hmm. It's pending that the negotiations. But even if Mrs. Collier comes back with the negotiation, say we've negotiated either $32 or $34 or $38 per square foot, the resolution still clearly states we've approved the building of fire. That's what it says. Yeah. But we haven't approved it yet. That would be tonight. No, we're approving today. Well, we're approving tonight. We recommended it tonight. Can approve a revised budget of $3.8 million. That's what it says. Council approve a revised budget in the amount of $3.8 for the construction of a joint. Yep. So we're approving a budget saying, go ahead and do it. I agree with you as far as what's written. I don't agree. You could always... Okay. You could always add subject to successful negotiations with the that brought back to your council. Basically, we need to see in there that it comes back to council regardless of what is decided. I agree with you. No problem there. We can. But what is the point of passing a motion tonight? What is the point of approving this? They can't start construction until they can reach an agreement. The purpose this evening was to get council's authority to go ahead with all four facilities. Both EMS and both the fire stations. EMS would, the paramedic service buildings would only proceed once I finish negotiations with the United Counties. Where we are with the process, so that is what is before you tonight. Okay, so we wouldn't proceed with the paramedic portion, obviously, until I finish negotiating with the paramedics. But we need to know from council tonight that you want to proceed with the project. Because then when I go to the counties, they're going to want to know, well, is council in favor of the project? So it's a chicken and egg situation. So we're only, but then it has to be stay here. We're only approving these projects if the negotiations are
come out positive. If they don't, we are not approving this project. Mm-hmm. None of them. Correct. Correct. It has to come back. Because they're the United Counties is going to need to know that we're on board. In principle, from what we've heard so far, and with the negotiations, I've started negotiations with them to have an understanding of where we're going to go. They need to know that you are on board. Because right now, if we get the two EMS, it's good for us. If they don't want to come with us, we'll have to come back and refigure which one we're building, which one we're not, and go ahead with that. But we need the ambulance service. I'm sure you got the memo from Madame Chouagnard saying that the slowest response is around Bourget. And county knows that because they wanted to build something, but it dropped out because it was over budget. And right now what's happening is the ministry of that looks after the ambulances is recommending for them to rent. They get more money if they rent than if they buy a place. They have their own. It wouldn't go ahead. If we don't have the EMS with us, we won't go ahead. We'll have to come back to council. But that's what I'm saying. So I don't understand what we're saying. Because we have to tell the county that our council is agreeing to go ahead with this. This is what it's saying. Yes, Mr. Zach. I think the council should be actually saying, yes, we are willing to negotiate with you and the potential of building something together. Yes, we're looking at it together. And the reason why I'm only saying that is, you know, Monsieur Lalonde last meeting had some concerns about this. I still have some concerns about it, albeit different concerns. I think that right now we're focusing on EMS, and all of a sudden, if they say yes, we go ahead, but we haven't even really discussed the plans of it, how big it's got to be, what rooms are going to be where, and that's where I'm still trying to figure out, when are we going to have that conversation? Because we're not there yet. We're still focused on EMS, and I feel that this resolution says that the second that EMS says go, we start shovels in the ground, and that's what I'm afraid of. We haven't, you know, I'd still love to have a conversation and say to Colliers that was here last meeting to say, you know, maybe you should try to cut down, what would it look like if you cut down 1,000 square feet off of that? And let's have a look to see what cost that's going to be. We still would like to look at some options. EMS has got their square footage they want. Yeah, absolutely. And that's not costing us anything. They're paying per square foot. Yeah. So the more they take, the more money we make. Well, and I understand. I think what I'm looking at is, do we really need the room with 100, you know, the meeting room for 100 people? Do we really need a lot of things? I still want to have that conversation, and I want to make sure that this resolution does not mean that we're not going to have that conversation. So if you can assure me that we will come back and discuss the square footage and what goes where, then I will be okay with this. But I'm not ready to vote on this until we have a final say and feel secure about it. Sorry. Yes, ma'am. Monsieur le Maire, si on change le wording de la résolution, pour dire be it resolved that council authorizes the administration to negotiate with the United Counties of Prescott and Russell as per option A with a revised budget in the amount of I wouldn't put a budget number because that way it gives us leeway to cut back on. Can we not do that? Not put a budget number just because if we want to cut out a room or this or that, it'll change the overall amount of the place. So, like say we have a classroom in Bourget only and not in Rockland, that could change the amount of money that we put into that one if we're taking things in and out. I'm just saying, yeah, no, this way gives us more leeway by changing the wording and not putting an amount in. Council, we presented the report with the layout of the station as it is now. Yeah. And that drawing is what we call an early technical drawing, right? Mm-hmm. So it hasn't been done by a professional architect or designer. It's just a layout to sort of give council a feel for what was required for a fire station. So where we get into a situation is if council wants to reduce the budget, they need to give that direction tonight and say, you've got to reduce the budget to 9.5 million. Whatever number you feel comfortable with. Okay. I don't think that it's going to be feasible to get into that room versus that room. Right? We have experts that are going to come on and identify what the actual requirements of the station are, otherwise we're never going to get it finished. So I think if the budget is the actual concern, then council needs to give us direction to go back and reduce the budget.
Because let's not forget, the prices might come down when we get bids from companies to build. This is a sort of... I've always seen... Yeah. No, there's a disease, so I didn't put that gas to people. I'm just saying, don't get all on your high horses. No, but well, there's seen things come down. Okay, we have to bring back to council. Once we've been to tender, we have to bring it back to council for your presentation. At that point, you can then have further input and say, nope, we're not doing this. But at that point, it costs us more money to tell the architects that have already made the plan to go back and start cutting different things. No, so you called the use contractor. Mm-hmm. If it goes over budget, it's all included in that, no matter how many times we send it back. It's over budget. Is that what says the front print? You're saying to cut down the budget right now. So you could pass a motion tonight to tell direct staff to reduce the budget by X amount, right? Or X square foot, whatever you want, whatever makes you feel comfortable. Let's be realistic here, though. And we have to remember also, I've identified that last week the $10.3 million includes $1 million worth of contingency, right? So just keep that in mind. And the prices that have been presented to you are based on what our market information is at this point in time. So if you want to reduce budget, it's going to reduce square footage. The last council meeting you had agreed to what was there. So now if you want to amend that, you have to give us new direction tonight. Plus, we have to figure out what EMS wants. If they've got so many square feet there, they're paying for that. So you're not going to reduce that. They're paying the bill. I don't want to reduce the EMS. I want to reduce the fire station. You know that? No. Mais on est en négociation. Pourquoi? Mais c'est ça, on sait pas le... Mais oui, mais l'affaire est, il faut vous donner le temps d'aller en négociation. On vient juste de faire une négociation. I just want to make sure that... C'est pas les mots qu'on entend. Quand est-ce que la négociation... Non, vous avez donné le OK la dernière fois, qu'on a dit qu'on s'en allait en négociation. Dis-moi pas, ça fait un mois. Non. Ben, peut-être que ça fait longtemps qu'on en parle, mais on vient juste de commencer à négocier avec le comté. We had asked them to look, Collier, to look at... keeping the building in Rockland and renovating and adding on, but we never said to do that in Angers. They clicked this past week going, maybe we should ask them to do that. Yeah, but we're going on another piece of land because there's no land at the budget. I thought we already owned the piece of land. Yeah, we're staying. But we're moving. We're not using the old station there. The reason we're questioning is because we're talking of $2.7 million without knowing if they agreed to pay so much rent. But we have to pay that back. It's going to affect our borrowing power. We know that. That's why we're charging them by the square feet. You've rented the buildings before, commercial buildings. You rent the commercial building by square feet. So if the customer wants so many square feet, you're going to give them the square feet, and then you charge them. But we decide how much the square feet. We are negotiating the price they want to pay. We've had one. It seems well. But we have to get the final approval. And they're going to tell us how many square feet they want. Merci, Monsieur le Maire. Helen, can you brief council on what's the actual cost on the DC side and what that entails for our DC charge, which is what we charge developers, yes, with this specific project the way that it's presented now? Okay. Please. So when we approved the last development charge study, and what I'm telling you is based on all the numbers that were in the previous development charge study, because we haven't really changed anything since then. So we have to go back a few years. So we did a calculation back then that if you added $1 million of capital works to the development charge study, it took the charge up 10%. So that would be a 1,500. The charge is 15,000, between 15, 16. Let's say 16,000. So this project, just this for those four buildings, bring up the DC charge to our developers by 10%. Yes. If council agrees to add it in. Yes. So council then has to decide. If council can decide to put projects in the development charge study or not. If you don't put them in the development charge study, it means that the debt payment falls to the ratepayer, so everybody in Clarence Rockland pays. Yeah. So either all your existing ratepayers are going to pay, or your new ratepayers are going to pay. And just to be clear, it would be a percentage of that, because if you recall, it's not all growth. No. Right? But of this specific project, we already know that 1.27% is the debt load for
the impact on the impact there. On the tax on the rent. So on top of that, you have a 10% on your developer with the DC charge. If council chose to go that way. Yes. Okay. Next question. I know there's big ticket items coming down the pipeline. We have the Caron Pond. We have what else do we have, Dave? And the wastewater treatment plant. And it was our desire to have that report here this evening. It will be with council in the next meeting, excuse me. And that project is got a significantly higher cost to it, part mainly because there's a portion of that project that we've got, it's taken so long to get there, there's another portion of the project needs to get added on. That's coming to council in a report next week, or next meeting. And we're sitting at somewhere between 12 and 15 million on the waste project. Yeah, the waste treatment plant is significant. So, and of that. And then you got the Notre Dame landfill site. Industrial park. Industrial whatever park. We end up deciding to do with that, right? We're back looking at what our options are. But as you stated, every $1 million more is 10%. More we charge the developers. Yes. OK. Quand on est arrivé en 2014, la première chose que les développeurs nous ont dit, c'est faut vous descendre des prix de construction, c'est trop haut. Puis. On les a descendus. Absolument, M. le maire. On les a descendus, puis le développement a recommencé tranquillement, puis là, bien, cette année, on voit vraiment une bonne année. L'autre affaire que les gens nous ont dit aussi à Clarence Rockland, les payeurs de taxes, ils nous ont dit c'est assez des augmentations fulgurantes de taxes. Ça, c'est le message qui était très clair. Puis encore là, M. le maire, vous aviez premier et on l'a fait pour la première année, on a gelé justement le taux d'imposition. Faire un projet comme ça, juste de même, en conjonction avec les autres projets qui s'en viennent, on va tout effacer les gains qu'on a faits avec la communauté. On va charger, on n'aura pas le choix de charger, soit charger des taxes additionnelles à nos citoyens ou leur enlever des services. Puis en plus de ça, on va tuer le développement parce que juste un projet, on monte ça de 10 %. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut sérieusement réduire ce projet-là et revenir au budget initial qu'on avait prévu pour ces projets-là. Moi, ce n'est pas la portion IMS qui m'inquiète. Parce que je suis confiant, moi, que les comtés veulent avoir leur portion, ils vont payer pour, ils savent qu'ils ont un besoin. Mme Chouinard a raison, le secteur de Bourgette le temps de réponse est affreux, puis à Rockland, c'est une ville qui est grandissante. Je pense qu'il faut sérieusement reconsidérer, le monde des pompiers ne m'aimeront pas à dire ça, mais la grosse salle qu'ils veulent avoir à Rockland pour le training et tout ça, comme je comprends entièrement que c'est un besoin pour la communauté des pompiers, mais sachant ce qu'on sait maintenant, c'est très difficile de dire qu'on va aller de l'avant avec ça. Potentiellement, ce qu'on pourrait faire, c'est attendre une couple d'années. On sait que la quatrième station à Rockland, je pense que dans les DC, c'est du 2022. Puis, il y a quand même celle de Clarence Creek aussi qui devra être refaite. Elle n'a aucun DC, c'est toute la dette. Donc, c'est tout, ça s'en vient, en plus des autres projets que M. Dave Darch et Alan ont présentés. Je pense qu'il faut réduire la grosseur de la caserne à Rockland. Et on a même un potentiel de réduire celle de Bourgette un peu. Il faut vraiment maximiser l'espace qu'on va mettre là-dedans. Puis pour aller à 304 piastres du pied carré, là, même si on descendrait un peu, là, avec quatre édifices, là, on ne s'en va pas dans la bonne direction avec ça. Là. Tant qu'à moi. Ça, c'est mon opinion, mais regarde, moi, je vais demander un vote enregistré à la fin quand même, M. le maire, fait que je vous dis tout. Mais moi, je ne peux pas aller avec ça. On va tuer. Il faut donner des chiffres pour qu'on... Notre moi, je dis, on retourne au budget original qu'on avait, qui était 3,5, je pense, pour Rockland. Oui. Puis 1,5 par année pour 2 ans pour Bourget. 3 millions pour Bourget et 3,5 pour... Moi, ça, c'est ma proposition, M. le maire. Okay. Qu'on focus là-dessus. Oui, M. Bourget. Clearly, my gesture is that what we say here is the council approves option A with a revised budget of $6.4 million and approves a revised budget amount of $3.8 million for Bourget. That means we're fixating on option A and there's no more change of the plan. You're asking us tonight to approve that.
And obviously, everybody here's got different ideas. We feel we haven't explored enough possibilities. We feel there's other ways to explore, ways to try to get the budget back to where it was. So we can agree to this dollar amount, option A. So you have to, we have to reward this. I said a council approves. If you want, we can give a ballpark, say, anywhere from $3.4 million to $6.4 million for the construction of a joint fire and EMS facility. Obviously, the 3.4 is without the EMS facility, and which includes the 10%. And same thing for Bourget. We approve from this to this. We can give a ballpark number if you want, but that's all we can do tonight because we still have a lot of things to explore here. Mais moi, Charles, je ne mettrais pas le côté IMS dans l'équation parce qu'il va se payer automatiquement par les paiements qui ont été faits. Fait que moi, je concentre, en tout cas, mon opinion, Charles, moi, je concentrerais strictement sur la portion qui nous concerne vraiment, qui est les deux stations de pompiers. OK, so say it's $3.4 million for a fire station. What all we're putting tonight is from $3.4 million to... Or do we, whatever. No, go with the budget. It was the original budget. Right. So, let's go pull, so we're approving to go ahead with 3.5 and 1.5, 50% funded. Let's go. On a déjà 500 000 de dépenser à Rockland. Fait que c'est 3.5 plus un autre 5 qui est déjà dépensé. Yeah. On est déjà rendu à 4. On est déjà 500 000 over budget. Madame Courier? So the 3.5 million when that budget was prepared did not include having the bylaw in the building. So there's 580 square feet for bylaw. So I appreciate if you would allow us to come back with a budget range, because the 3.5 million did not include the training room either, because at the time there was a big initiative by the United Counties to have a county-wide training center. And there was a big initiative then, so we said, well, we didn't need a training room because it was going to be a central training facility for all the firefighters in the county. That project died. So since then, we had to add back in some training space, because right now we have no training space. I respect Councillor Lalonde's comment tonight that maybe we could do it when we do the Clarence Creek or the Station 4. But there is a strong need for training space, proper training space. We don't have any in the municipality at all. It wouldn't only be used by far. So, yes. Yeah. Yes. No, that's what I'm saying. Everybody's got different ideas here about the budget. Right. And so we can't, all I'm saying is that we can't, therefore we cannot approve $6.4 million when we don't know where we're going yet. Do we have to put a budget in? We can't approve that. C'est la meilleure manière de faire la distribution, si tu lui as donné un budget. Well, right now, all they need is to go to EMS. That's why I was asking, do we really need a number? You don't need EMS because they'll give us how many square feet they want. We'll establish what they want to pay and go from there. The paramedic formula is straightforward because they have their square footage. We have a solid idea of what the paramedic cost is. We have built in the operating and maintenance cost into that. So we have a solid number that we're negotiating with. We're a few dollars apart on the per dollar per square foot amount. Has to go to their treasurer and the CEO. Right. So what's left to be done is to write a report to the counties to guarantee that they're going to pay that rent amount. Parce qu'il ne faut pas bien non plus, on a le Fire Master Plan qui va nous coûter 1,5 à 2% par année. Moi, j'aime mieux mettre l'argent un peu là-dedans pour tout de suite, dans le Fire Master Plan, respecter le plan comme tel, puis de dire, regarde, le training, oui, je suis d'accord, Mme Collier, c'est important, mais pas à n'importe quel prix, c'est ça qui est le problème. So, technically, we don't actually have to do everything in the Fire Master Plan. No, absolutely. No, no. So, let's just clear on that. But I understand what you're saying. Yeah. Because obviously, like we can go all night. I agree with what Mr. Lalonde said. We can put an amount in this resolution, and we can change it at any time. But at least it gives the guideline of the amount of dollars to go back, and then you say, build us two fire stations with this amount of money, and let's see what we can get. And if they come back and say we can't because we need this, that, at that point we can nickel and dime at them. But right now it's a good start to put down, I guess, what Charles and André said. Let's go back to the original amounts, but Bourget does need a station because everybody needs to remember EMS is not coming in unless it's going in Bourget first. Correct. That's number one. Mm-hmm. So Bourget needs to happen if all of this is going to happen, and I'm all for it. But let's put that number down. And the let's original start number would have been 3.5 for Rockland and 1.5 50% funded. Which is $3 million. $3 million. So 3.5, I would have to go Rockland. C'est 3 millions pour Bourget, c'est juste qu'on l'a split sur deux ans. I just asked that.
because the budget for Rockland did not include a contingency at that time, and it hasn't been inflated since Pierre originally put that budget number together, if we can at least include the contingency in the 3.5, that would be helpful. 12.5% is this percent. That's fine. I can live with that. Yeah, as long as it's 10%. Je peux comprendre l'hésitation de conseiller André Lalonde. C'est que quand je regarde, après qu'on a visité celle à Limoges, celle à Embrun, ils ont construit à 1.9. Mm-hmm. Puis nous autres, on arrive avec un prix 3.2 pour le projet. L'affaire est que on est sur le bord d'approuver, de dire que on est d'accord de payer 3.5 plus 10% puis 3 millions pour Bourget. Mm-hmm. C'est ce qu'on dit? Mm-hmm. OK. Are you still d'accord là-dessus? Well, because like I said, we can always up or down the number. Yeah, and this way it gives a budget. Let's say 6.5 plus 10% for the 3.5 here, you're going to have to give a contingency too for Bourget. Correct. That wasn't that one included? Is it 10% for? It's 10% for the whole 6.5, which includes Bourget. Yeah, okay. Let's do that for now. Yeah. Okay, but we'll bring it back to you. Yeah. That's right. Okay. Si on change ça, on s'en va à 3 fait millions. La résolution comme telle, là, on parle juste. Satisfait de ça? On fait un changement à la résolution. On baisse de 10 à 6.5, ma chance. On va faire des miracles. Là. En tout cas, on n'a pas le choix de débattre. Tu voteras comme tu veux. C'est ça. Charles. L'affaire est que là, on est d'accord de dire que c'est 3.5 plus 3. Plus 10. Là, la résolution telle qu'elle a été lue. Mais il faut voter dessus. Ben, si vous n'êtes pas content avec celle qu'on vient de lire, on vote contre. Celle-là, il faut voter sur celle qui est présentée. Oui, oui. Okay. C'est qui est en faveur de celle qui est présentée comme celle-là? Zéro. OK. Alors, elle est défaite. Défaite. Bon. Nouvelle résolution. Lise la nouvelle résolution. Proposée par M. Lalonde. C'est qu'on retourne au budget initiaux de 3,5 millions pour Rockland et 3 millions pour Bourget avec 10% de contingence. Exact. Secondé, Suzanne? Sure. Mais là, on ne parle plus de EMS? EMS, ça va être négocié après. Il faut savoir comment pied carré. La portion EMS change pas. We're just talking fire stations. Je pensais que le but de ça, c'est quand vous avez besoin. OK, en incluant les deux sections. Mais oui, mais ils l'ont déjà. On le met, c'est inclus dedans. Là. Okay. À condition que IMS embarque avec nous autres, avec les stations. On peut juste réviser le budget ce soir. Oui. Et puis, on est d'accord que pour qu'IMS embarque. C'est ça, il faut que ça si embarque. IMS. Oui. OK. Non. Non, mais dans ce budget-là, 3.5, 3, 10 pour un joint, on crée pour un joint fire EMS facility in Bourget, le joint fire bylaw EMS in Rockland. Donc là, est-ce que ça prend, je peux te demander Mme Collier, parce que do you need authority to negotiate with EMS in the resolution itself? Well, we're approving that we will go ahead with it, so we should be including EMS. Yeah, should, but here, yeah, it actually specifies what you mean. So we're just going to keep the same, change the numbers. Deleting. I believe what should happen is that we must. That's it. You approved the motion tonight with the amendment to reduce the budget for the two fire stations. So, council approves a budget in the amount of 3.5 for Rockland. 3 pour budget plus 10% de contingency. 4.5. Rockland, which includes and must incur. Joint facility, which includes 10% Puis le conseil a un budget révisé d'un montant de 3 millions pour la construction de l'établissement de Bourget. Ça, là, il l'inclut déjà. Plus 10%. 3 millions pour Bourget, mais ça l'inclut. Non, plus 10%.
plus 10%. Non, c'est inclus. Rockland, c'est plus. Is it included? Yes. Bourget, c'est incluant, 10% contingency. What? The simple thing we're doing tonight is reducing the overall budget by $1 million. Okay, so you're going from 4.3 for the fire station, raw numbers, never mind continue, from 4.3 to 3.5. Yeah. And you're going from 3.2 to 3 in Bourget. But we're adding 10% to Bourget. No. We're not adding 10%. It's 3 million with a 10% increase. Yeah. Correct. It's 10%. Because Bourget is based on today's dollars. Bourget was 3.8. Yeah. The 3.5 in Rockland. So you're reducing by a million and adding the 10%, which is 350,000. So the actual reduction is about 650,000. Yeah. That you're reducing the budget. So that would be the motion. Okay. All right. Except this really motion. Where does the 10 come from? And all of a sudden we're at 6, but we're only reducing by. Well, 10% contingent for Rockland makes sense. We're talking about 10 million. Okay. If we go. Sorry. Let's no, I just want to understand. Sorry. Let's go to page 102 in the report. And you will see in Rob's, in the report, under the financial impact, maybe you can check my math. Which one did you say, report by the way? So page 102 of the fire EMS report in the council agenda. Yeah. So the Rockland Fire Station is $4.3 million. So now we're saying 3.5. Now you're saying 3.5, which was the original budget. Yeah. So that reduces the budget by 800,000. Round numbers, right? Yeah. If you turn the page or scroll down, the fire station in Bourget was put forward at 3.2 million. We reduce that to 3, that's 200,000. So that means you would save $1 million. But the 3 includes the 10%. Yeah. Correct. In Bourget. And Rockland doesn't include it. Is this correct. Well, the 4.3 did. What I was saying was if oh, we... Oh, the 4.3 did. Yeah. Well, you're up to 3.85. So what I'm saying is... You should say 3.5 including 10%. Including 10%. Yeah, if you read about the word the old, which include 10%. Right. I just don't know where this was, but he was talking about 10 million. Still don't know. Well, the overall project council's is 10 million. 10.3 million is Rockland, Bourget, and the two paramedic stations. Right. Okay, and the 10.3 includes $1 million contingency. Are you still okay with those? Yeah. Okay. Si vous voulez faire un refresh sur les scribes, j'ai préparé une deuxième résolution là-dedans. Si okay. Vous voulez laisse lire ça. De l'avenir, puis voir si vous voulez tout ce que là. Si vous voulez faire des modifications, je vais laisser ça. C'est un refresh en l'air. Sorry, in the old report, I thought Bourget was $3 million for just the fire station. Correct. And yes. So we haven't revised that budget. We revise it from 3.2. No, it was 3.2 down to 3. It was 3.2? I thought it was yep. 3 million. No. Well, on page 103 of the report, it's 3,226,000. 12.226. We're not adjusting the EMS amount. Right. You so remove EMS out of both Rockland and. So it's not joint. Correct. So those that money is just for fire stations, but your final one, the B and finally resolved, yep. is just to negotiate with yep. EMS, but the money is not included. So both if I'm understanding. I remove joint. Can I put some money on that? What? Okay. That's a minute. Do I need final? No. For yeah, it all stays. We're yeah. just going to fit EMS it in. Years. And because the square footage is just estimated at this point in time, and it's not been what we presented to you was as much information as we could. When we go back to the drawing room board, we may be able to fit in the same requirements. This layout's not been done, you know. For square footage. Yeah.
And we have two maintenance rooms identified in the Rockland one. Because we're keeping the old station, we don't know yet until we've talked to these engineers whether or not we actually need two rooms. So at this point, we don't know those specific details. So by adjusting the budget tonight, we'll look at revised square footage. Okay. Sorry, Barbara, did you just ask her to take out the EMS? Take out the EMS out of the budgeted amounts because they're not factored. They're not included, yeah, that's right. Okay. So this is just fire station. Refresh again. If you refresh, the English version should be, if you want to read it. Be it resolved that council approves the revised budget in the amount of $3.5 million for the construction of a fire bylaw facility in Rockland plus a 10% contingency. And be it, can I just finish and then we can amend it? Be it further resolved that council approves approves a budget in the amount of $3 million for the construction of a fire hall in Bourget, which includes a 10% contingency, and be it finally resolved that council delegates the CAO the authority to negotiate with the United Counties of Prescott Russell the potential sale of the EMS facility on Landry Road. But that is not what we are giving you the mandate for, it's also to negotiate the whole thing. You had done that in camera last week. Yeah, the EMS facility is part of the negotiation of coming into the fire stations, correct? Yeah. The whole thing is included. Yeah, it's all included. Okay. So you can say, the resolution say? So the sale of the potential EMS facility on Andrew Road and? I don't know why we're including the sale. Why don't you just leave that, like what they had there before from le conseil de l'aigle du directeur général de pouvoir de négocier avec le comté de Prescott-Russell, la banque dans le détail du sénat. Ah, c'était là, c'est pour ça. But you can add at the end, instead of Landry Road, and to negotiate square, a price for... Cost per square foot. Lease rental cost for Rockland and Bourget. Yeah, we don't have to bring that in, because it should get... Good. Mr. Maire, quand on a dit 3,5 millions pour Rockland, est-ce qu'on inclut à 10%? We're approving now a budget for two fire stations. Correct. Yes. Does this mean that we're committed to doing them next year? Can we defer one of these? Once we've been to tender, we will be coming back to you. So you will have more than that. I mean, no shovel will grow in the ground until council has approved the appointment of the person, company, who's going to construct the project. Because you understand, if the negotiations with the EMS fall through, I'll be pushing that we postpone. Yes, if the EMS falls through, we will relook at this entire thing, because then the picture changes completely. Has the option ever been considered of buying the EMS building and just renting to them? We're in negotiations. No, instead of having the joint station, re-renting them the station after. They need a bigger space to have more ambulances in there. Okay. That one cannot handle the market. Thank you. They can only handle it. Okay. Plus, they don't even have a spare one in case one of the two breaks. Mm. So that's why they want extra spare to have a place for another ambulance and stand by it all the time. Okay. If it's sent to change oil and repair, they're down to one. So that's why they need more space there. That's why this four. The plan is to have four bays in Rockland. Okay. You may have not ajouté, Monsieur Lalonde. Mais là, on a changé le plus 10%. Sorry, mais c'est à cause de Monsieur Jean-Marc Lalonde, il a mentionné. Plus 10% for Rockland. Non, il a dit quand on a révisé. Ah, c'est ça. C'est plus 10%. Bourget est inclus. Rockland, c'est plus. Yes. Oui, mais c'est pas ce qu'on a dit tantôt. Quand on a demandé à Madame Collier. Elle dit que c'était déjà inclus, le 4.1. Pour Bourget seulement. Parce que le prix de Rockland. J'ai mal compris. Ouais, moi, j'ai compris. Le prix de Rockland n'était pas trop. Toi aussi, c'est ça. Yes, Madame Collier. Shall I re-explain? The 4.3 million includes the 10%.
We suggested going back to the original budget of 3.5 that mm-hmm. was approved back, I think, prior to your election. So it's been sitting there for 5 years. And what I was saying was when that budget was prepared, there was no contingency, we've had no inflation on that 3.5 million. So I just asked that we could include, add back to the 3.5 million, the 10%. We don't need to do it in Bourget because that's in today's dollars. But when we were looking at the report that Collier did yes. earlier, mm-hmm. Monsieur Jean-Marc Lalonde asked you, was it included? And you said yes, it was included in the 4.3. It's included in the 4.3. That's quite correct. But it wasn't in the 3.5. Okay. Monsieur Lalonde, je vais encore une fois t'en acheter. Non, c'était pour l'autre avant. Okay. Alors, tout le monde en. Oh. Merci. Numéro 11. 11.1, compte payé. Qui sont résolus que les comptes payés pour la période du 12 août 2007 au 8 septembre 2007 au montant de 3 082 048,56 $, soit adopté tel que recommandé. Secondé. M. Berlinguet, tout le monde a question? Tout le monde en faveur? Merci. 11.2, projet Saint-Joseph, utilisation du fonds de réserve. M. Levert. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 217-122 pour autoriser le transfert d'un montant de $50,000 du fonds de réserve des routes et qu'il soit aussi résolu que le conseil approuve que le mur de soutènement ne soit pas construit à l'intérieur de l'emprise du chemin de la municipalité devant le 864 rue Saint-Joseph tel qu'indiqué dans le rapport numéro INF 2017-051. Secondé. M. Berlinguet, question. Oui, je regarde, M. le maire, lorsqu'on dit qu'on ne construit pas le mur à 864 Saint-Joseph, mais on parle du reinstatement, par exemple, qui est des plantes qui vont oui. être là. Oui. C'est ça. Oui. Le mur qu'on parlait, c'était. They were asking, what, $50,000 to make a retaining wall on the Saint-Joseph on that man's property there? Yeah, that was an initial estimate, yeah. But we've, I think, since convinced them it'd be better to go with sort of a rock garden and the like, and it'd be a cost much, a lot much less. Cheaper. I don't have the yeah. exact number, but it's not. And the gentleman was telling me he's gone and got prices, and they're all giving him sale yeah. prices, a third off, because it's the end of the season, so. Okay, c'est parce que dans la résolution, on dit qu'on va pas avec le mur, là, mais on va avec ça, par exemple, à réinstaller. Tout le monde en faveur? Mm-hmm. Merci. Stationnement parc Jules Semeux, sentier accessible. Monsieur Lalonde. Oui. Qu'il soit résolu que le conseil autorise le directeur des services communautaires d'ajouter la construction d'un sentier accessible au contrat octroyé à STP Excavation et Construction pour un frais supplémentaire de 23 250 plus TVH tel que recommandé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Madame Simard. Moi, je recommanderais qu'on aille le compte. Je parlais à M. Boucher. Et puis, il y a d'autres sentiers qui vont être faits. M. Boucher pensait de sortir un contrat pour tous les sentiers l'année prochaine. Et puis, si possible, ce surplus pourrait être pris peut-être, si ça va de l'avant, pour la rue Campo, qui aurait besoin de pas mal d'ouvrages. Je pense qu'il y a un surplus de 35 000, qu'on avait dit, M. Boucher. Le contrat original, je pense qu'il est à 40 000 quelques dollars. On avait ça à peu près ça, 34 000. Ouais. Que si vous êtes d'accord, je dirais que ça retourne au budget pour être employé si nécessaire pour la rue Campo. Oui, M. Lalonde. C'est une chose, M. le maire. Si le projet de la rue Campo n'est pas réalisable en 2017, oui, on peut le ramener. Moi, je vous dirais, pour l'instant, j'aimerais mieux qu'il reste dans la réserve des services communautaires. Puis si on va de l'avant avec le projet de Campo, on ira le chercher de là pour le faire. Pas de problème avec ça. OK. D'accord avec ça? Ben, les gens de Campo, après la réunion publique, s'attendent plus. Bien, l'affaire est, c'est qu'il faut sortir des prix. C'est parce que vous aviez mentionné à l'Assemblée. Oui. Mais on parle pas de ce sujet-là. I spoke with Mr. Darch. We're going to get a contractor to go there and give us an estimate if it can be done by scratch and what cost would cost, would be.
I'll let you keep going with it. And I think I'm on the right track. We have some further information. Okay. You know, I think to do a scratch coat on that roadway, we were estimating about $40,000-$50,000, but we don't believe it's a road that's sort of conducive to that. It's a lot of undulating, there's ironwork adjustments to be made. And I had a talk with Julian about it, and the proposed strategy we recommend is pulverizing, reshaping, and then you put a lift of asphalt on that. That's a more costly undertaking. And we accessed the county, they had some pulverization costs, and then we had other elements that we had ourselves here. Bottom line, the cost of this would be about $150,000 to do a pulverized and paved. And that's probably a more appropriate strategy for that roadway. If we go with the scratch coat, I haven't driven the road myself, but as I understand it, there's a lot of undulation. Your pardon? I'll come up and pick you up. Okay, I look forward to it. But there's a lot of undulations in the road, so scratch coat's going to just sort of smooth it's not going to smooth it out, but you're still going to be left with those. The recommendation that I'm getting from staff is that we should pulverize this thing, but that becomes more expensive. So but like I mentioned to you today, I saw it on A-Dun. Now, there was a lot of holes in one road that was at an A. And I'll tell you, there's a few waves on that road, but yeah, it's a heck of a lot better. And I'll tell you, the residents are quite happy with it. Yeah. So. No, I drove on that road yesterday again, and I made sure to see if there wasn't too many waves on it. Yeah. It's pretty nice. I don't think there's another road in Rockland that is worse than that one. Oh, well, we could debate about that. But yeah. if it is a crush road. I'll let you argue with her. Road, yes. you might be able to do some padding on it, and you do scratch coat, but you're still going to, whatever vertical variations there are, undulations, you're going to be left with that. It'll be smoother, but. Well, Kishmagalay, now it's a lot more. Yeah. Mais c'est parce qu'ils ont regradé ton chemin avant de remettre ton stuff. No. This is a scratch coat, and it was on a paved road, and I drove it every day during the summer because my daughter worked by there. It's fantastic. Well, I don't know how you find the difference at the speed you go to. Well, yeah, I can, instead of going 40, I can go. You fly over the whole anyway. But anyway, I see that Alain, that road was very, very rough, and Campo was not worse than what the relay was. So I'd really like it if we checked out on the scratch part. So is council's interested in just the scratch code? I think We don't have the budget of $150,000 anyway. So and is it not no. the 10-year list plan? I don't know. Anyway, so it would be like a Band-Aid for 8-10 years. I'm not sure if it's even on there or when it's... Where does it fit on your 10-year plan? It is in 26, I think it is. Which is almost 10 years, so it's 8 years. It's way out there. Now, having said that, and I think it's in the report in the committee of the whole, we had shown a pavement condition index of 62, which is pretty good. And yet when we look at it, what we're feeling is that's an overstatement of the way it actually is. We were going to go out and reconfirm that number. I think from what you're saying and what we've observed, it's less than that. It's getting closer to that 35 threshold. So it's after one winter, it will be under. So sorry. Look at it this fall. But if the direction of council is to do it as a scratch coat, then I think I'm telling you here, it's about a $50,000 undertaking for a scratch coat with the ironwork adjustments. And the thing is, we had people that came. Yes. We have said, okay, for the $50,000 on another road a couple months ago. Yes. And then somebody else came. We had another $15,000 for another road that is way, way, way better shape than that one. Yeah, you know my feeling. I don't support that sort of, you know, as the people come in. I think you're better to look at the plan, and that's prioritized. I agree with you on that. So, but anyway, we'll go with whatever direction council is. But all of this has nothing to do with the resolution. Yeah, well, it does. It does because we're taking the surplus money there to go on Campo. Just if we're going to be putting $50,000 on a
part of a road, whether it's in Rockland or St. Pascal or Hammond or whatever, I want to make sure it's the best way of doing it. If you come back to us and you say, well, you know, it's at the 30 or 25 index, it makes no sense to throw $50,000 on there. I mean, we're just throwing money away. It's just that your scratch code, you know, I think when I brought this forward a few years ago, it's a bridging mechanism. You're going to be putting it on roads that aren't necessarily very highly rated. And I'll tell you, the Relay Road is used by heavy trucks, tractors that have heavy loads. And milk trucks. The one they put on last year is doing well so far. I look at the old Highway 17, which was done, what, 3 years ago? About the first year that Mr. Darch was with us. And maybe he'll be with us another 3 years. Patricia was a scratch code. Patricia, scratch code. And it's turned out pretty good. And I look very good. I could tell you now the traffic is a lot easier on my street now. They go by on the other one. But you got to bear in mind that scratch code is an interim strategy. Yep. You haven't done any base work, so you're seeing it now after 2-3 years. Everything looks good. It's already on the list for an 8 years. So yes. Yeah. I mean, so scratch code. It would carry it over till it gets back on the list. Mm-hmm. If council so directs, we would. Would you be in favor of looking at the possibility of putting scratch on that if Mr. Darch? I'd like to get Mr. Darch to take another look at that role before we do. We that. Can bring a report. Two weeks is not gonna. No, I'm just getting concerned with the time of year. Yeah. But I'm going to assume we're okay. I'll bring a report back with, let's say, a more in-depth look at it, the cost. I'd want to find out, you know, how we would get it done, which contractor would we go with. And I can give you that information for the next report. But I'll be looking solely at the job on other roads. Why wouldn't they do a good job? That's why Mr. Darch. Because Gagne was awful, too. And the scratch coat did a good job. Sorry? Gagne was awful too, and you did a scratch coat, and it looks a lot better. Yeah, okay, it goes up and down. It's just, I'm almost sorry I brought that scratch coat. C'est suggéré, il était au comité plénier, fait que la directive de M. Turch. Non, c'est pas Pago et Wilson qu'on a. Là, on parle de Campo. Il est au comité plénier, pareil. Campo Crescent, il est au comité plénier. OK, oui, là, on l'a ici. Vous voulez donner la directive à M. Darch quand vous allez lire cette motion. Okay. We'll bring it back in the committee of the whole because we've got a recommendation. Fait que pour l'instant, la recommandation devrait peut-être juste être amendée pour dire qu'on met l'argent dans la réserve. Dans la réserve seulement, puis qu'elle reste là. Puis qu'elle reste là pour tout de suite, jusqu'à temps qu'une décision soit prise. Ben, si on fait juste différer la résolution, ça reste pas en réserve? Et voilà. Si ça fait la même chose, c'est correct. Monsieur Boucher, on peut-tu vous déranger pour la minute? Si on diffère le sujet, ça reste pas encore. Ça va rester dans le projet d'Abdou en dessous de la même. On a juste besoin d'être fait. OK. Fait qu'on diffère? OK. OK. Monsieur Lalonde, Madame Simard, tout le monde en faveur? Merci. Règlement municipal. Oh, rapport. Préparation des routes. Lalonde. Oui. We take 5 minutes break. On va revenir aux comptes payés. Qu'il soit résolu que les comptes payés soient de 3,085,577,85 sous. Moi j'ai 570. Au lieu de 3,082. C'est 570, excuse. 3,087,570,85. Mm-hmm. OK. Ouais. Voilà. OK. OK. C'est moi qui. Ah, ben oui. La maîtresse de la foule a coûté. J'ai écouté en même temps. C'est OK. Secondé, Mme Simard. Tout le monde en faveur? Merci. On a 11.4, Pago et Wilson. Monsieur Lalonde. Excusez-moi, M. le maire.
11.4. Je peux le lire. Qui est attendu que le personnel a soumis des estimations de 735 800 $ à la province pour les coûts associés aux inondations du printemps 2017, attendu que 105 000 $ de ces coûts sont associés aux travaux de restauration des chemins voisines, Pago et Wilson, et qu'il existe une incertitude quant à l'approbation de la province pour ces coûts, que le comité plénier recommande que le conseil approuve un engagement de 105 000 $ du budget 2018 pour la réparation des chemins, 2017 inondation, et que cela soit financé par la réserve des chemins. Monsieur Zan, question? En faveur? Merci. Je voulais juste préciser que la résolution va dire que le conseil approuve et non que le comité finit. OK. Mm-hmm. 12. Règlements municipaux. Est-ce qu'on en enlève ou je peux le lire? Il y en a qui... Je peux le lire? Oui. 12.3. Qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 12.1-2017-113, autorisant une délégation de pouvoir relativement à l'évaluation foncière et la collecte des taxes. 12.2-2017-121, pour adopter une modification au règlement de zonage chemin Lacroix. Secondé. M. Valenguette, tout le monde a une question? Tout le monde en faveur. Merci. Monsieur Lalonde, 12.3. 12.3, M. le maire, j'avais une question sur le pour la liste. Juste que le règlement soit 2724 pour autoriser la signature d'une entente pour devenir le centre de formation régionale pour le Collège des pompiers de l'Ontario. Oui. Vous l'avez dit. Merci. OK. Les questions que j'avais, c'est que actuellement, quel est le coût pour créer, établir un centre de... Je pense qu'il y a, c'est qu'il faut envoyer quelqu'un là-bas. Corrigez-moi, M. Villeneuve, je vous laisse la parole. On a des coûts pour envoyer des gens là-bas, puis c'est sur 5 heures de la personne, je pense. Mm-hmm. Pour aller au collège des pompiers, ça coûte 65 $ par cours quand on envoie des pompiers là-bas. Cette entente-là, bien, ça, c'est à part des salaires et du transport. Cette entente-là ne nous engage à rien monétairement, seulement qu'on peut amener les cours du collège des pompiers ici dans Clarence Roger. On pourrait aussi offrir à. Je pense que ce qui arrive, c'est qu'on sauverait sur l'hébergement, le voyagement et tout, si on entraînait notre propre monde. Puis après ça, on pourrait entraîner des gens de d'autres municipalités si on avait. Et ça fait payer pour le ça fait payer. Mais on sauverait les coûts d'hébergement et de kilomètres. Je pense que M. le maire, Oxbury avait essayé de l'avoir. Puis on était d'abord. Puis j'ai appelé la mairesse hier soir pour en savoir plus long. Elle a dit oui, on ne peut dire pas parce que justement, il n'y a pas les fonds nécessaires pour. Elle ne pouvait pas me dire quel est le prix. Puis elle me disait, mais puis j'ai pas eu son idée qui est arrivée avec. Elle dit, c'est pour donner la formation à tous les pompiers dans le comté, mais pourquoi c'est que les comtés qui ne payent pas? Non, on n'est pas pour aller là, M. Lalonde. Oh, ça nous a pris 6 ans pour venir à bout d'avoir un dispatch 9-1 ensemble. Je remercie bon Dieu qu'on n'ait pas pris là-dedans, parce que... Mais ça serait-tu fait dans nos salles de formation qu'on a? Celle qu'on va avoir, je veux dire. Celle qu'on va avoir, oui, merci. Si on a des salles et un centre de formation, oui, on pourrait faire ça. Le problème avec le Collège des pompiers, c'est qu'il y en a un en Ontario, puis y avoir accès est très, très, très difficile. Envoyer nos pompiers à Gravenhurst pour une semaine de temps, quand c'est un service volontaire, encore plus difficile. En le faisant ici, sur nos horaires, au lieu de faire envoyer des pompiers 5 jours là-bas, si on le fait sur 2 week-ends, il n'y a pas moyen de prendre du temps away from de leur job. Fait que ça faciliterait. Mais ça nous prend un professeur pour le faire, par exemple. Oui, on va former. Si vous envoyez la personne, ça peut prendre combien de mois pour enseigner? Non. On a déjà des formateurs à l'interne. On a des formateurs. Oui.
Parce que lorsqu'on parle de Burn House, ça a été mentionné ici, là. Burn House, actuellement, il y a 5 municipalités qui servent celle d'Ottawa. Puis dans 6 ans, on a eu 130 dans les 5 municipalités qui sont allées. 130 seulement dans 6 ans. Ça, c'est pas une autre affaire. On voit combien d'argent qu'on peut, que ça nous coûte à nos pompiers aller là, mais on ne voit vraiment pas combien d'argent ça peut coûter pour l'avoir ici. On n'a pas de coût d'instructeur, on n'a pas de coût de salle, on n'a rien. Moi, j'aimerais différer le thème jusqu'à temps que le service d'incendie nous revienne avec exactement combien d'argent que ça va nous coûter, combien d'argent qu'on va sauver, puis on va avoir un meilleur portrait à ce moment-là. Madame Collier, we got a detail of what it would cost us for the training and all this. But it's not in the report. I'm just wondering. Encore, je vais réitérer que faut commencer en quelque part pour avoir une entente, ouvrir le dialogue avec le collège. Ça, c'est la première étape. C'est ce qu'ils nous ont envoyé pour ouvrir les discussions. À ce moment-ci, il n'y a aucun frais pour la municipalité de commencer ces négociations-là avec le collège. Et puis, avant même qu'on puisse établir des cours ici ou engager nos propres instructeurs dans ce déroulement-là. Oui, c'est certain que soit ça va faire partie de notre budget de formation, on va pouvoir revenir au conseil pour les agents additionnels. Ça, comme c'est là, cette résolution, il n'y a aucun coût pour la municipalité. Aucun. Ça coûte rien en partie dans cette entente. Non, je comprends, mais c'est signer une entente avec aucune idée comment ça va coûter. Je sais que c'est des petits montants à comparer à une caserne de pompiers. Je comprends. Mais c'est rare qu'on ait une résolution qui nous vient, qui te dit ben j'aimerais commencer à en parler, mais j'ai aucune idée comment ça va nous coûter. C'est juste ça que j'essaie de dire. En parler, ça ne coûte rien, c'est ce qu'il dit. Mais. Ouais, mais. Parce que ça marche. C'est la signature. Financial impact. There will be some costs involved in sending potential instructors to the fire college to be approved to deliver courses in classroom, which is anticipated to be absorbed within the approved operating budget of the department. There may be an anticipated. Why don't we just change the wording to the resolution? So, autorisé d'entreprendre pour parler. Oui, puis pas de signer, le fait juste en deux signer. Ouais. Moi, j'aimerais mieux ça parce que jusqu'à temps, comme j'ai dit, M. Villeneuve, une fois qu'on ait un peu plus de renseignement là-dessus, combien ça va nous coûter. Ça ne me dérangerait pas de dessiner, mais je veux juste savoir combien. C'est pas juste un chèque d'air. Mais on donne la permission de commencer les négociations. Oui. Sans aucun impact financier. Zéro. Okay. Est-ce que je peux juste demander clarification aussi sur une affaire? Vous disiez que dans le moment, on paye 65$ pour envoyer nos pompiers pour aller prendre. C'est le frais d'inscription. Plus les frais d'hébergement et tout ça. Non, ça, c'est le frais d'inscription du cours. Oui, oui. Mais plus on paye les frais d'hébergement. Oui. L'idée, c'est de les offrir ici, ces cours-là, pour sauver ces frais d'hébergement en partie. À nos pompiers. Mais une fois qu'on l'a ouvert ici, on doit offrir ces cours-là à d'autres. C'est ça. On n'est pas obligé. Non, non, ça peut être juste pour les. Non, mais c'est un autre moyen de. Non, mais. Oui, mais tu changes 65 piastres, tu ne fais pas de fortune avec ça. Non, mais c'est ça, je veux dire, vous disiez qu'on est capable de changer 65 piastres. Comme au bénin moment, avec nos autres municipalités. Si ce n'est pas plus, parce que il y a des frais de nourriture ou quoi que ce soit, c'est. Parce que ici, c'est écrit, the city clerk will pay $65 pursuant to OFC. Oui, mais. Alors, qu'est-ce qu'on charge? On devrait le remettre à eux autres de toute façon. Oui, mais on peut charger plus, nous autres, là, parce que ces gens-là vont sauver de l'hôtel. Ils ne voudraient pas ici si on charge plus que l'autre. Mais pourquoi pas? Parce qu'ils ne payeront pas d'hôtel, ils ne payeront pas de kilomètre. Je suis à rien de les ça. Les gens de la région. Les gens de la région. Juste de la région. Oui. Oui, M. Lalonde. Je pense que l'idée aussi en arrêt de ça, du chef Wilson, c'était de donner un petit peu un break à nos bénévoles, à nos pompiers, de ne pas perdre une semaine, comme tu disais, de travail à l'extérieur de leur famille, puis d'avoir ça. C'est plus ça. Ouais, volontaire a un job à bord. C'est ça. Puis il faut qu'il manque du temps sur l'ouvrage. C'est pas comme si c'est seulement que nos pompiers à temps plein qui vont. Et ceux qui sont en partiel, les volontaires, faut qu'ils. C'est eux autres, c'est plus difficile à y aller. C'est plus difficile, vraiment. On pourrait juste essayer d'entreprendre des pots de parler. Entreprendre des pots de parler, aucun. Il n'y a pas de signature, Gabriel. Mais de s'assurer qu'il n'y a pas de frais, c'est vraiment destiné.
Pardon? De s'assurer qu'il n'y a pas des frais cachés. Ben c'est ça, il manque dans la résolution qu'il n'y a aucune... aucune finance. Quoi. Donc, vous votez contre l'adoption du règlement? C'est ça. Est-ce que vous voulez différer pour que M. Bosson revienne avec un rapport? Deux semaines différer tant qu'à faire ça, puis avoir M. Je dirais qu'on autorise notre directeur de... les services de protection d'entreprendre des pour parler avec le Fire, Ontario Fire College. Miss. C'est déjà fait. Pardon? C'est déjà fait. Probablement que c'est déjà fait. Je pense bien que le chef Wilson. Mais si on est donné d'avoir la signature, mais aucun frais financier, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est possible? Non, mais c'est ça. Je veux juste faire sûr qu'il n'y en a pas. Parce que je pense que ça peut être. It could be worded in whichever way you want. Monsieur Villeneuve vient de dire qu'il n'y a aucun frais financier. Là. Lui, il ne veut pas que ça soit écrit qu'on signe une entente sans savoir qu'est-ce que ça va nous coûter. Une entente est attachée au règlement. Yeah, sometimes if it's blank, mm-hmm. we can sign it, they can negotiate, have a price. Now we've just basically signed saying go ahead. That's why I'm just saying, I just want to word it that. Oui, monsieur Villeneuve. Juste citer le fait que l'entente n'engage pas la State Service Rocking à dépenser rien. OK. Bon, ben, je suis correct okay. avec la résolution telle quelle, si c'est le cas. Ben, c'est ça. OK. OK. Tout le monde en faveur? Ouais. Merci. OK. Règlement de confirmation. Il soit résolu que le règlement numéro 2017-123 est un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 18 septembre 2017 soit adopté. Secondé, Mme Simard, tout le monde en faveur. Merci. Ajournement à 9h40.